Et bonjour. Alors non, pourquoi je n'ai pas Ah voilà, très bien. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce tuto euh, de Fortress, jeu que j'ai beaucoup pensé euh, il y a très longtemps et euh, très récemment euh, deux euh, on va dire dans deux circonstances très différentes. Dites-moi si la musique est trop forte. Bonjour à tous. L'idée de ce tuto euh, alors déjà, si vous me parlez, que vous me posez des questions, je répondrai uniquement à des questions sur, euh, sur Dwarf Fortress euh, ou sur le jeu, parce que c'est une vidéo qui a une vocation à être un tuto. Et également, euh, normalement, si vous suivez ce tuto, ce tuto, en fait, vous avez toutes les clés pour vous ennuyer à Dwarf Fortress, parce qu'en fait, Dwarf Fortress, c'est un jeu où on, un peu paradoxal dans lequel on, on ne peut pas gagner. Donc, il y a une, il y a une devise qui est Losing is Fun. Et, mais en vrai, quand tu maîtrises le jeu, quand tu maîtrises les clés pour le rendre facile, le jeu est relativement facile, tu vois. Et euh, même parfois on s'ennuie. Alors il y a toujours des façons de. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le jeu il a une courbe d'apprentissage difficile, mais quand on la connaît, après on s'ennuie un petit peu. Et mais on, on, le jeu, il est suffisamment maîtrisable par le joueur qui connaît bien le jeu pour l'ajuster à sa difficulté. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux décider de faire quelque chose qui va t'attirer des ennuis. Et euh, qui va un petit peu, euh, euh, on va dire, pimenter les choses. Et, et on va dire, tu vas avoir des difficultés, mais tu les auras bien cherchées. Euh, Il y, y a un jeu qui est un petit peu dans le même style, qui était dans le même style graphique à l'époque, s'appelle NetHack, que j'aime beaucoup, euh, auquel je ne suis vraiment pas fort du tout, malheureusement. J'aimerais bien faire des... Mais c'est vraiment un jeu très peu streamable, malheureusement. Mais NetHack, c'est un jeu... Euh, comment vous dire c'est un jeu qui, euh, même le meilleur joueur du monde, il peut gagner une partie sur deux. Par contre, il a une fin. Voilà. Donc là, on peut quand même arriver, euh, je pense, si on suit des règles assez simples, pour le, pour le rendre simple. Je pense d'ailleurs que c'est la dernière fois que je vais jouer à Dwarf Fortress en stream. J'y jouais de temps en temps, euh, dans certaines circonstances, mais parce qu'il euh, est assez sympa, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai envie de jouer aussi à... Enfin, comment dire, j'avais déjà joué beaucoup avant. Là, il est vraiment très beau, très facile d'accès. Mais euh, voilà, j'en ai fait le tour. <laughs> mais il y a des gens qui aiment beaucoup ce type de jeu. Donc, qu'est-ce que c'est The War Fortress C'est un jeu qui est en développement depuis des dizaines d'années. Il est également dans l'exposition permanente du Museum of Modern Art de New York. Mais il l'est, justement, paradoxalement, parce qu'il avait euh, une direction artistique... Euh, un peu universel. Malheureusement, cette direction artistique très particulière qui utilisait des de, de de, de 256 caractères euh, assis, euh, elle, est, elle, est pas, elle, est, elle est très rebutante d'aspect et, euh, et en fait, elle ne permettait pas au grand public de comprendre euh, avec une interface uniquement clavier euh, la, la puissance du jeu de Dark Fortress. Dwarf Fortress, c'est la suite d'un jeu qui s'appelle euh, God of Blood, je crois. Donc en gros, en fait, Dwarf Fortress, c'est le 2 d'un autre jeu qui n'a rien à voir, qui n'est pas une gestion de colonie. Dwarf Fortress, c'est un, on va dire pour, pour simplifier là, très largement, c'est un nouveau genre déjà qui a fait plein de petits. Et il y a certains, s'appelle, certains aspects du jeu qui ont, à eux seuls, genre des sous-aspects de Dwarf Fortress qui ont créé des petits. Mais euh, aujourd'hui, la version la plus mainstream, c'est Rimworld, qui se passe pas dans une colonie de nains dans un monde milieu de milieu fantastique, mais dans le futur. Et euh, Dwarf Fortress, euh, c'est un pour très, pour ultra simplifier, en gros, c'est un Sims qui rencontre les SimCity. C'est imaginer SimCity. Donc SimCity, vous savez qu'on construisez une ville, donc là, imaginez vous construisez une ville fantasy, comme il y en a plein, plein de jeux comme ça sur mobile. À part que chaque personnage compte. Compte. C'est-à-dire, un moment, chaque citoyen va venir à vous avec un problème. Donc, c'est un mélange de Sims et de SimCity. Donc, il y a cet aspect macro et micro-management. Et le tout, en plus, ce qui est assez génial, c'est qu'ils ont une approche très globale. C'est eux de se dire donc quand on crée un jeu, normalement, on fait une boucle de gameplay. Par exemple, on va dire tiens, un nain, il faut qu'il mange. Donc, on va faire un système de culture. Hop. Eux, ils ont, ils ont, ils ont fait une approche qui est, qui est globale. C'est se sont dit on va d'abord créer un monde. On va ensuite créer, euh, alors on va créer un monde, c'est-à-dire on va le créer au niveau des strates, euh, des strates, euh, euh, comment on dit, de la terre là, des géologiques. Euh, on va créer un monde avec euh, des euh, des, euh, des zones tropicales, des zones arides, des zones... Après, on va créer un monde dans lequel il va y avoir des bêtes primitives qui vont créer une mythologie, puis des civilisations qui vont émerger, la coexistence de ces civilisations et de ces bêtes prim primitives. Et chaque fois qu'on va créer une civilisation, c'est pas genre il y a la civilisation de Rome qui, qui apparaît dans un pays, c'est il y a une ville qui est fondée par un gars dont on a écrit parfaitement la biographie et toute toute la famille et toute sa famille va être créée va être intégrée dans un espace d'immense compendium dont on pourra voir tout et par exemple si 300 ans avant le début du jeu il y a un gars dans une ville à l'autre bout du monde qui a écrit un livre qui parle de quelque chose tu peux retrouver le livre le gars son descendant euh, la maison où il était enfin en gros tu es dans un monde réel et dans ce monde là euh, on, a, on a trois types de jeux. On a le jeu Légende, que je vous ai montré la dernière fois, mais je vais aussi vous le remontrer. On a... Légende, en fait, c'est le fait de, de, de se balader dans cette espèce de, de, de monde infini, euh, enfin structuré, euh, d'histoire. C'est-à-dire euh, ben, le fameux euh, ⁇ je veux envie de voir le codex ⁇ qui a été créé par un gars il y a mille ans et euh, c'est d'ailleurs ce mode légende en fait une fois que vous avez créé un monde il s'amplifie, c'est à dire que si par exemple vous avez créé un monde et que vous commencez à jouer à Dwarf Fortress, vous créez une colonie en fait la colonie va rentrer dans l'histoire vous pouvez même avoir euh, un dragon qui va venir un jour dans votre colonie et ce dragon il a une histoire avant et une histoire après et euh, le but évidemment c'est de, bah, de finalement de faire partie de cette histoire vous avez un mode qui est le mode Dwarf Fortress auquel on va jouer aujourd'hui qui est vraiment le mode principal qui a fait le succès du jeu dans le mode Dwarf Fortress on est euh, en fait on, on, on choisit une, une des civilisations de nains, sachant qu'il y a des civilisations d'elfes de gobelins, de morts vivants etc et de nains donc ça c'est obligatoire et parmi ces nains euh, on va choisir six nains on va, les, on va créer une sorte d'équipement et euh, on va les emmener créer une nouvelle colonie, une nouvelle ville euh, de, si possible à flanc de montagne mais dans un contexte qui va être la plus propice possible et on va voir comment on peut faire aujourd'hui pour le faire et euh, c'est euh, ce qui est intéressant avec c'est euh, ces, euh, euh, Dwarf Fortress vous avez, bon, ok vous, vous allez, on, on, va, on va jouer à ça je vous le montrer de toute façon et enfin le dernier, le dernier mode qui n'est pas disponible dans la version auquel on va jouer aujourd'hui qui est une version très user-friendly qui se joue uniquement à la souris et euh, qui est enfin vraiment 100% à la souris alors qu'avant c'était un jeu 100% clavier euh, c'est un jeu qui. Euh, le dernier, c'est un mode aventurier. Vous pouvez jouer dans l'ancienne version. Et le mode aventurier, il est très différent. C'est vous créez un aventurier qui peut être de n'importe quelle race. Donc là, on est un peu dans le roguelike classique. Euh, qui va se balader n'importe où dans le monde que vous avez créé. Et entre autres, vous pouvez décider de partir d'un coin du monde, de vous balader, de faire des rencontres positives, négatives, d'avoir des quêtes, un peu comme un Daggerfall ou un Skyrim. Et vous pouvez même arriver dans la forteresse actuelle où se trouve votre jeu de Dwarf Fortress, ce qui est un peu fou. Et vous pouvez même, par exemple, décider de commencer un jeu de Dwarf Fortress, vous créez une forteresse quelque part dans les montagnes, vous créez une autre forteresse dans un autre endroit, et ces deux forteresses peuvent coexister. Vous pouvez même à un moment dire, tu sais quoi, j'en ai marre, j'arrête, vous arrêtez, mais votre forteresse, elle va quand même continuer à évoluer, à, à grossir ou à dépérir, et avoir une histoire. Et votre, votre aventurier aussi peut aller dans cette forteresse. Et le, le, le truc le plus cool encore, imaginez, vous êtes en train de créer une forteresse dans Dwarf Fortress, vous creusez trop profond, vous arrivez, euh, je sais pas, dans un endroit où il y avait un dragon qui était caché dans une caverne. Le dragon remonte, il mange tout le monde. Vous pouvez retourner dans votre forteresse en aventurier et récupérer les armures, l'or, euh, les artefacts que votre colonie avait créés. Ce qui est un peu fou. Donc on a un monde qui est totalement complet et ce monde a une, comment dire, marque énormément, a marqué énormément l'imaginaire de. de, de Beaucoup de générations de gamers aujourd'hui, doivent Fortress, c'est un des jeux les plus vendus sur Steam, alors qu'il n'a été mis en ligne que depuis le 6 décembre. Euh, J'essaie de vous faire comprendre un peu tout ça. Un, un élément essentiel de, euh, de tout ça, c'est la traçabilité. Donc en fait, vous savez qu'il y a cette promesse dans le Web 3, dans les NFT, de dire, waouh, mais vous vous rendez compte si vous achetez une NFT d'une un, épée magique cette épée magique, elle vous appartient en NFT. Qui sait demain vous pouvez la, la, la faire dans un autre, la mettre dans un autre jeu, par exemple l'utiliser comme ça. Ça va. Et le, le, le truc, c'est que euh, le, dans, dans ce type de jeu, euh, tout, tout a une traçabilité, une histoire. Je vous donne un exemple. Euh, vous allez avoir à côté de votre forteresse. Un, par exemple, je ne sais pas, un séquoia. Vous allez le couper, et vous allez en faire du bois. Et en fait, avec ce bois, vous allez encore faire un coffre. Et ce coffre, vous allez le mettre dans une... dans une... dans une, dans une chambre de, de nain, par exemple. Vous allez avoir, par exemple, une figurine, une figurine en bois. Cette figurine, vous allez pouvoir ensuite la vendre, et mais elle pourra se faire voler euh, sur le chemin par les marchands, enfin... Euh, qui, les marchands qui l'ont acheté vont se faire voler par exemple par des gobelins et un jour vous allez tomber dans un camp de gobelins et vous allez retrouver cette figurine et si vous voulez dans cette figurine il y aura encore le bois qui a été coupé euh, devant votre forteresse l'empreinte et le nom du, euh, de votre nain qui a créé cette figurine et vous aurez même le voyage dans le mode légende donc en fait il y a cette idée complètement fascinante et extraordinaire que tout a une traçabilité et il n'y a pas besoin de NFT pour ça c'est à dire que et moi, alors, je vous savez, je suis, suis Gémeau, je suis un peu particulier. j'aime bien que tout ait du sens. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tout a du sens. Enfin, tout a. C'est pas. On est loin des jeux où il y a un arbre, faut le couper. En fait, on fait ce qu'on veut, mais tout ce qu'on fait. A, une, a un sens, une histoire, une traçabilité. Alors malheureusement, euh, chaque monde qu'on va créer sur notre ordinateur, il est, il est susceptible de créer des milliers et des milliers, euh, enfin plus d'heures de jeu qu'on a de temps libre dans une vie de joueur, même de plusieurs joueurs, et euh, ça peut durer à l'infini. Donc il y a une sorte de vacuité dans ce monde qui n'existe que sur notre ordinateur, qui est finalement pas très partagé. Mais il y a une sorte de fascination. Et ce qui est intéressant, c'est euh, ce qui est intéressant. Je réponds tout de suite à ta question. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Dwarf Fortress, aujourd'hui, avec son espèce de darwinisme, parce que ça fait des années et des années qu'il se construit avec une communauté, euh, par son darwinisme, euh, il est en train de créer en fait, tout ce, tout ce qu'on définit aujourd'hui sous le nom de métaverse et de futurs jeux vidéo. J'en ferai une chronique qui est latérale, je pense. C'est-à-dire que demain, en fait, la promesse du métavers, elle est très floue. C'est quoi C'est un univers virtuel dans, dans lequel on fait un peu n'importe quoi. Mais c'est quoi un univers virtuel En fait, pour comprendre ce que c'est qu'un univers virtuel, il faut comprendre ce que c'est qu'un univers réel. Un univers réel, c'est des êtres humains qui ont des, euh, qui ont des besoins, donc on a, on a ça dans les sims, qui ont des aspirations, qui ont des compétences, qui peuvent bouger, à qui on donne des, une position sociale, et euh, qui parfois d'ailleurs euh, pètent les plombs. Euh, c'est aussi un système de lois c'est un système... Euh, enfin, une, les lois, c'est un peu le, le système personnel d'une société euh, humaine. Euh, là, en l'occurrence, c'est des nains, mais en fait, on peut créer des sociétés mixtes qui s'entendent bien ou moins bien. C'est aussi... Euh, c'est très intéressant parce que Dörr-Fortress, sans le vouloir, il a créé euh, une critique du capitalisme, c'est-à-dire que, en fait, la société qu'on va créer, c'est un processus qui ne peut pas être stable. C'est-à-dire que... Euh, la... la Comment s'appelle la... En fait, dans ce jeu, pour survivre le premier hiver, parce qu'il va faire froid, on, va, on a besoin de chaleur, de nourriture, d'eau. On va devoir couper des arbres. On va devoir creuser la roche pour pouvoir faire des choses et les vendre. Et on va commencer à un peu euh, manger un peu ce qu'il y a ici et là. Tu vois, et à planter des choses. Et en fait, on, on, je réponds à vos questions dans deux, deux secondes. Et en fait, soit vous échouez et votre colonie meurt. Soit vous réussissez, votre colonie survit. Mais si votre colonie survit, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des enfants. Il euh, y a des gens qui vont venir en disant ouais, « votre colonie, elle est trop chouette ». Donc en fait, votre colonie, elle va, elle va grossir ou périr. Elle va jamais se stabiliser. Mais comme vous l'entendez, plus elle grossit, plus vous allez devoir creuser dans la roche, plus vous allez devoir couper d'arbres, vous allez devoir modifier l'écosystème. Et plus en fait... Vous allez en fait vers votre fin. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le meilleur scénario de Dwarf Fortress, c'est une perte parce que à un moment vous allez creuser trop profond. Et effectivement, le dernier niveau, c'est l'enfer où il y a les démons qui n'attendent que chose, c'est remonter à la surface. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus accéléré que le... au début, on est un avant-poste de notre civilisation naine. On va grossir en hameaux, euh, villes, etc. Et en plus, à chaque fois, il va y avoir des milestones sociales, C'est-à-dire que des milestones sociales, c'est que euh, euh, il va falloir qu'on ait un shérif. Un bourreau, un homme de loi, euh, un, un manager tu vois, de, de, de tâches, etc. On va même pouvoir créer des sous-quartiers, parce qu'il y a trop de quartiers. En disant, euh, là, le quartier machin, il est autonome, il fonctionne bien, c'est bon, on le laisse tranquille, je ne veux plus jamais le regarder. Tu vois. Et en, parce qu'au début, on commence avec 6 nains, mais on va, en avoir 20, euh, on, va, on va en avoir 2000, 3000. Et quand on en a à 3000, en fait, il faut voir que la complexité reste un petit peu la même. C'est-à-dire que parce qu'il y a un an, qui est là qui veut foutre la merde parce qu'il est il est pas content par exemple il n'a pas de lit ou dans lequel coucher euh, il va il va te mettre en colère sa famille va se mettre en colère ils vont peut-être s'entretuer il va faire il va se passer des choses tu vois et, et ça peut vraiment s'effondrer juste parce qu'il y a un événement donc c'est très intéressant il y, a, il y a des dynamiques sociales qu'on n'a pas forcément encore bien circonscrites et le jeu est encore en développement euh, il n'y a pas d'harmonie il y a pas d'harmonie d'autant plus que à un moment euh, le jeu accélère en exponentiel, c'est-à-dire que euh, votre colonie est tellement belle que toute la noblesse de votre civilisation veut s'installer dans votre colonie. Et le roi, quand il arrive, il ne veut pas dormir dans une chambre à coucher normale, tu vois. Il veut une immense chambre à coucher avec sept étages de plafond, avec des trucs incrustés de rubis, sinon il s'énerve, il, il, il te remplace, tu vois. Et donc, euh, tu, plus, y a, plus ta colonie elle est forte, plus elle attire une, une forme d'élite sociale, plus il y a une forme d'élite sociale plus euh, elle, va être, elle va être exigeante dans le moindre de ses aspects, ce qui fait que en fait, tu vas arriver à un, à un destin funeste. Voilà. Après, il y a des gens qui sont tellement forts à ce jeu qu'ils arrivent à, euh, à s'installer en enfer et à survivre et à se battre, mais c'est des exceptions. Voilà. Il faut voir que dans ce jeu... Euh, j'en je, je, parle beaucoup mais après euh, je, je parlerai du jeu en lui-même mais euh, je le vois un petit peu effectivement je sais pas si vous avez joué à Skyrim à, à, à The Witcher 3 euh, euh, voilà Et en fait ces jeux de médiéval fantastique vous êtes dans un monde où par exemple dans Skyrim il y a 1000 y a personnes voilà. Donc, con... enfin, imaginez euh... enfin, je sais pas c'est un petit village tu vois dans Skyrim en fait toute la province de Skyrim c'est 1000 personnes c'est comme si on était dans un petit village là on a des euh... On a un monde qui est à l'échelle d'un monde. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une ville, il va y avoir vraiment 15 000 personnes. Et quand vous êtes dans une ville qui a 15 000 personnes, vous allez avoir une ville, dans le mode aventurier par exemple, qui va y avoir une surface, on va dire une surface de euh, disons 100 carrés, 100, 100 non, de euh, 1 km carré. Mais vous allez avoir 10 fois la taille en champ cultivables autour de cette ville parce qu'il faut nourrir tous ces gens-là parce que ça, ça correspond à des dynamiques mathématiques qui ont été implémentées ce qui fait que Dwarf Fortress aujourd'hui c'est le seul jeu qui peut nourrir ses habitants virtuels parce que bon il ben, y a beaucoup de champs dans The Witcher 3 mais il y a quand même beaucoup trop de gens par rapport aux champs cultivables aux industries de pêcheurs etc donc c'est euh, c'est un monde qui se veut le plus réaliste possible et par exemple il euh, y a des créatures c'est des chats mais on peut parler des lamas j'ai vu des éléphants hier par exemple c'est amusant en fait <coughs> des chats dwarf fortress c'est un jeu dans lequel dans le monde de dwarf fortress merci beaucoup roshi il y a des millions de chats parce qu'il y a des millions de chats dans notre monde tu vois et tu peux même décider de faire un élevage de chats et de faire de rajouter des millions et des millions de chats tu vois ça peut être fou je sais pas et donc euh, l'idée le, le, c'est. Euh, euh, J'ai perdu mon. Je parlais de quoi Je parlais de quoi Des chats ouais des... Bon, En tout cas, je ne sais pas de quoi je parlais. Mais en tout cas, ouais, je dis qu'il y a des milieux de chats. On peut faire plein de choses. Et euh, effectivement, il y a des, choses, des gens aussi. Alors, il y a aussi tout un aspect. Euh, alors, vu, je vois aussi les. Euh, comment ça s'appelle Les. Euh... <coughs> Je vois les gens qui. Euh... Alors, je n'ai pas encore joué à Rimworld, mais je pense que je vais arrêter avec ce type de jeu parce que, en fait, j'en rêve la nuit, tu vois. Enfin, je me couche vraiment la nuit en me disant oh, il faut trop que je fasse ça, ça, ça. Mais effectivement, dans ce jeu, il y a, il y a ce côté un, euh, vraiment bac à sable, slash Minecraft, de j'ai envie de faire une pyramide souterraine en rubis, tu vois. Et euh, j'ai envie de faire un. Genre, en fait, tu peux vraiment faire beaucoup de choses il y a beaucoup de mécanismes possibles, et notamment. Euh, en fait, il un, un moment, tu vas trouver de le magma et tu vas essayer de le faire remonter par des tuyaux. Donc, c'est un peu... Voilà. Faire un élevage de millions de chats parce y ce qu'est l'agriculture pour... Oui, tu peux décider. En fait, et comme... Euh, comment dire Il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont simulés, y compris des animaux comme des licornes, qui n'existent pas. Euh, beaucoup plus que dans n'importe quel bestiaire de jeu vidéo, beaucoup plus que par exemple dans un bestiaire comme Cave of Code que j'aime beaucoup. Eh bien, euh, hier, on a acheté des armures, il y avait des armures en recouvert de plumes de dindon, tu vois. Euh, J'avais jamais pensé, mais en fait, maintenant que j'y pense, une armure de, avec ornée de plumes de dindon, c'est rigolo. Il y avait des armures euh, en peau de chat, il y a des armures, tu vois, donc c'est assez intéressant. Et euh, euh, un mort de Dwarf Fortress sur Minecraft, non, c'est deux jeux très différents. Parce qu'en fait, euh, il faut voir une dernière chose. Alors, c'est la philosophie de Minecraft et la philosophie de Dwarf Fortress qui est, qui est un peu étrange, mais une fois qu'on l'a compris, c'est à barche c'est qu'en fait, les nains, de base, ils sont autonomes. C'est-à-dire que si tu, ils arrivent devant ta colline, si tu fais rien du tout, bah le pêcheur il va se mettre à pêcher, euh, le, le captureur de d'animaux va se mettre à capturer, ils vont manger un peu le truc sur place, ça va végéter si tu veux. Et si tu commences à creuser et que tu dis euh, tu fais par exemple un magasin euh, qui transforme euh, je sais pas euh, qui tu fais une boucherie ben bah en fait ton ton captureur d'animal dès qu'il va capturer un chat un hamster whatever il va le, il va l'amener au boucher et le boucher naturellement il va il va il va le transformer en viande. Donc en fait, il y a ce, théoriquement tu es tu es une espèce de grand superviseur de, de tout et tu prends des bonnes décisions d'expansion pour survivre, surtout le premier et deuxième hiver, c'est vraiment un moment critique. Et après, tu peux même t'en foutre un petit peu pour voir euh, comment dire s'ils sont autonomes, et euh, c'est quoi ce bordel, tu vois euh, Laisser le bordel venir. Donc en gros, euh, et, et ça c'est ouais, les Sims se sont un peu autonomes aussi, mais oui, il y a ce côté tu, tu, enfin, qui est un peu perturbant, c'est tu vas, à part ton, ton mineur, tu vas pas dire au nain fais ça, fais ça, fais ça. Tu feras vraiment ça dans de très rares occasions, tu diras. Euh, tu diras fais ça enfin par exemple si tu es attaqué par une créature tu vas créer une petite milice et tu vas dire à cette milice attaque là tu vois. Donc, euh, et euh, bon, c'est très bien et il y a enfin et je vais terminer là-dessus on va pouvoir enfin commencer à jouer au jeu je dirais que euh, moi j'aime bien associer euh, des éléments d'histoire de l'art euh, classique au jeu vidéo et euh, le euh, le euh, la direction artistique, euh, elle était unique. Je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai qu'elle était. C'était un vrai mur, euh, en plus du mur classique euh, de, de ce qu'est Edward Fortress. Et. Euh, la, le. Le. Attendez, excusez-moi, je, je perds. Moi, vous savez, j'ai toujours dit les JRPG, c'est des opéras. Euh, les Point and Click, c'est des théâtres vaudevilles. Et en fait, Dwarf Fortress, je dirais que c'est vraiment une œuvre baroque, tu vois. C'est-à-dire que dans un jeu, tu vas avoir enfin dans un jeu, je vais prendre une caricature, vous avez un sorte de RPG qu'on a sur mobile fait par des chinois, vous allez avoir l'épée de cuivre, l'épée de fer, l'épée d'or, l'épée de platine, l'épée de machin, on dirait, toujours la même gradation qu'on hérite. Là, tu vas avoir une épée d'entraînement en bois de macadamia. Et puis après, tu vas trouver une épée en cuivre incrustée de pierreries. enfin en fait il est baroque dans le sens où chaque objet est unique. Et c'est quelque chose qui est très proche de la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, on dit toujours, ah tous les humains sont uniques. Et c'est vrai que parfois, on achète un peu les mêmes baskets, les mêmes t-shirts, et on a un peu les mêmes consoles de jeux vidéo. Mais en vrai, le monde réel par rapport au monde ultra-normé du jeu vidéo c'est que dans le monde réel, les choses sont uniques. Euh, les, les, les choses sont baroques. Vous savez, baroque, ça vient de Baroco, qui est la, la petite, le petit défaut sur la perle, qui la rend unique. Et euh, en fait, toute chose est unique. Et toute chose a une histoire, toute chose a un sens. Et c'est très beau que ce soit dans le jeu vidéo. Et je trouve ça, euh, je trouve ça très intéressant. Et maintenant je regarde vos questions. Alors, il y a une question sur les NFT qui est revenu deux fois. C'est quoi les NFT C'est des. Euh, c'est une. Euh, comment dire C'est un certificat d'authentification euh, lié à un objet virtuel euh, dans une base de données qui suit un protocole particulier. T'es content maintenant En gros, euh, c'est un. Euh, euh, le Web3, c'est une. Euh, c'est un concept marketing qui est aimé par beaucoup de gens, détesté par d'autres, même nié par d'autres, dans lequel on estime qu'aujourd'hui, les items virtuels, que ce soit les assets virtuels, que ce soit des, des gifs animés, même des tweets ou n'importe quoi, en fait, peuvent être d'une certaine façon rendus uniques par un espèce de contrat qu'on peut se décentraliser, qu'on peut s'échanger. Et les gens ont rêvé d'une économie autour qui s'appellerait le Web3. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça marche. Mais ce qui est intéressant dans cette, cette philosophie, c'est qu'il y a cette philosophie de traçabilité, c'est-à-dire que je fais un tweet, je le vends sous forme de NFT, et demain les autres personnes s'en échangent la propriété, mais il, il, il reste présent. Et bien là, aujourd'hui, De Fortress montre qu'avec une base de données classique, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, il euh, euh, a pas. De... Alors, est-ce que vous avez, que avez d'autres questions Et ensuite, je commence le, euh, je commence le jeu. Ah. Mais ça n'a pas trop de, trop, trop de... Donc, on va... Donc dans le jeu, la première chose à faire... Bon, je me suis fait un peu mal. La première chose à faire dans, dans, dans Dwarf Fortress, vu qu'il complexe, il y a beaucoup de min-max possibles. Euh... Alors, attends. C'est une bonne question. En fait, beaucoup de choses vont être gérées en fonction du design de ta forteresse. Mais le problème, c'est que le design de ta forteresse va aussi reposer sur j'ai envie de m'amuser. C'est-à-dire, tu peux dire, moi, j'ai fait des jeux dans lesquels je creusais la montagne, mais les gens qui vont dire, ah ben, je m'en bats les couilles, je vais créer plutôt une forteresse, genre, au-dessus du sol, avec des murs, tu vois, et des planchers, et tout ça. Euh, il y en a qui vont dire, j'ai trop envie de faire un château fort. Euh, moi, vous savez, il y a des gens aussi qui vont tout faire sur le même niveau. Donc il y a plein de choses à faire, même si par exemple ce jeu, par exemple, il gère l'audio. Il gère C'est-à-dire que si tu mets un mec qui tape sur une enclume toute la journée et à côté, tu mets une chambre à coucher, personne ne va dormir dans cette chambre à coucher. Tu vois Donc il y, a, il y a des subtilités comme ça. Et, euh, et notamment il y a la qualité des chambres. Donc en gros, il, tu peux être un, un ordinateur froid de Min maxer, mais comme tu es dans un monde baroque, en tant qu'humain, tu as quand même beaucoup de données à gérer. Et à la fin, tu as quand même ce truc de dire, euh, en fait c'est... Derrière son système de jeu de gestion, c'est un jeu dans lequel on se raconte des histoires. Et euh, on a envie de se raconter des histoires. On a envie de... Moi, en fait, quand je me couche ce soir, je pense à. Tiens, je vais faire une antichambre comme ça. Euh, je vais trop mettre du parquet dans cette pièce. Euh, mais j'aurais trop dû faire un temple beaucoup plus petit. Mais j'en fais plein, tu vois. Donc, il euh, y a plein de choses. Euh... Plein de choses. Alors j'arrive pas à remonter dans Dwarf Fortress. Donc voilà. Alors, ça fait beaucoup penser à Rimworld. C'est l'ancêtre de Rimworld. Rimworld, alors je vais pas dire, c'est vraiment injuste de dire Rimworld à tout prix à Dwarf Fortress. Mais sans Dwarf Fortress, il n'y aurait jamais eu de Rimworld. Euh, ça c'est évident. Alors le jeu a l'air compliqué dans son approche, Foxy. Mais à la suite de ce tuto, si vous suivez ce tuto et si vous jouez 5 heures à ce jeu-là, je vous dis, je vous le dis, vous allez trouver le jeu trop simple et vous allez vous ennuyer. C'est ça. Euh, après vous pourrez euh, lire les, les, les centaines de pages de, euh, de, de, tu, de tuto hein. donc, euh, voilà. Et est-ce que ça gère la stabilité des galeries que l'on creuse tout à fait? Euh, donc par exemple, si vous êtes dans un marécage et que vous faites euh, une galerie genre, comme ça déjà ça peut, ça peut, ça peut s'effondrer se, de base. Après si vous faites une énorme salle sans piliers au milieu, ça peut s'effondrer. Mais après, si vous creusez quand même très 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 profondément, là vous pouvez vous pouvez vous éclater et faire des salles immenses. Mais effectivement, quand est juste sous la surface, faut faire attention. Et on peut même, alors on peut jouer partout, c'est-à-dire que tu peux jouer. Tu... Là, on va démarrer dans un endroit sympa, mais il y a des gens, ils démarrent sur un iceberg, tu vois. Genre, allez, on va s'amuser. On va. Et, et dans le... en fait, dans ce jeu, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des baleines, il y, y a des montagnes, voilà, il y a des. Euh... Voilà, donc il y a plein. À... Il a l'air plus complexe que compliqué. Oui, mais il y a aussi. Alors il y a un tuto que qu'on va pas faire qui gère plus ou moins bien les choses et voilà et donc est-ce que les paramètres du jeu impliquent une orientation générale qui peut donner du sentiment de déjà vu en fait euh, pff, je sais oui en, en fait il y, y a un wiki euh, extrêmement complexe et il y a pour les gens qui s'ennuient <laughs> j'en suis pas encore là il euh, y a des challenges et il euh, y a des challenges par exemple au début du jeu quand on choisit les nains, on peut décider de prendre. Euh, enfin, on va avoir. En fait, il y, y a un pack de base avec un mineur, euh, un spécialiste des animaux, tout ça. Mais en fait, ils disent Ok, donc l'histoire, c'est quoi C'est vous êtes si nobles qui ont été bannis euh, pour toujours du pays des nains. Donc tu prends six gars dont ils ont une seule compétence et ils savent écrire et lire. Voilà. Et, et donc tu ne peux pas creuser, tu ne peux pas pêcher, ils ne savent rien faire d'autre, tu vois. Par contre, tu as une carriole qui est plein de trucs. Comment tu fais pour gérer ça c'est des challenges assez, assez intéressants. Tu as, euh, as un challenge qui est Vivez comme des elfes. Donc on n'est on est pas des nains, on est des elfes. Donc on coupe plus d'arbres, euh, on ne creuse pas la roche parce que c'est n'est pas bien. On ne tue pas d'animal. Vous êtes fou, voilà. Et euh, essayer de voir comment vous gérez. Voilà. Donc euh, en fait, tu peux te, tu peux te mettre. Bah il y a pas vraiment de spoil dans le jeu. Donc euh, et il y a aussi un truc qui est euh, il y a beaucoup, on verra la diversité des animaux, tout ça. Bon, vous pouvez me poser des questions de temps en temps. On a, euh, on a une petite règle, si vous subez, je vous donne un nom de, de personnage. De, si j'oublie votre sub, dites-le moi, d'accord euh, Ensuite, on ne tue pas les animaux, effectivement. Alors, là, on va créer un nouveau monde, parce que c'est... Euh, voilà. Sachant que quand vous créez un nouveau monde... Non, rien, je dis une bêtise. On va, on va créer un nouveau monde. Donc, en fait, quand on crée un nouveau monde, c'est un peu comme dans civilisation On va créer une carte nouvelle. Pour l'instant, rien d'inhabituel. Euh, plus elle est grande, plus il y a d'endroits où s'installer, plus il y aura. Euh... Bon, alors, si, vous, si vous dites que c'est un, un endroit qui est, qui est très euh, méchant, il ben, y aura beaucoup de méchants dans cette histoire. Voilà. Donc, on va prendre small. Pocket, c'est mignon. Hein. J'ai déjà fait des, des parties pocket, c'est rigolo. Parce que vraiment, on est sur un, un tout petit monde, donc euh, on est tous voisins. Euh, L'histoire, ça veut dire. Ça fait combien de temps que le monde est en vie Alors, qu'est-ce que ça influe Là, enfin, En gros, l'histoire, elle influe quoi c Plus l'histoire, plus est vieille, plus ça fait longtemps que le monde est en vie. L'avantage, c'est que les gros dragons, euh, créatures mythiques, il y a peut-être des chances qu'elles soient mortes, terrassées par des ennemis. Mais, il y a, si ça fait longtemps que la, la civilisation existe, en fait, ça veut dire qu'il y a eu plein de colonies partout de, de nains, ou d'elfes, ou d'humains, de, et euh, y a les spots, les meilleurs spots, ils sont déjà pris. C'est pour ça que euh, savoir à voir. C'est-à-dire que c'est vraiment, si tu veux, là, à 5 ans, tu auras 2000 dragons, mais alors là, tu as les meilleurs spots de la Terre, tu vois. Et euh, là, c'est l'inverse. Ce sera plutôt calme, mais par contre, tu vas te choper euh, des endroits qui ne sont pas terribles. Donc là, bien, euh, et là, en plus, il dit, attention, ça va être très long à générer. Pourquoi Parce qu'en fait… Quand il va générer le monde, comme j'ai dit, non seulement il va générer les strates géographiques, etc., mais il va générer la biographie de chaque habitant depuis 500 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Ce n'est pas grave, pour le, le sub, on va, va s'en sortir. J'ai une liste de sub. Ensuite, ça c'est le nombre de civilisations. Donc effectivement, euh, plus tu as de civilisations possibles, plus tu as de guerres possibles entre les civilisations. C'est à voir, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de civilisations, il y a plus de guerres entre les civilisations. Donc tu peux... Euh, Enfin, t'as rien demandé à personne et tout d'un coup, t'as des elfes qui débarquent et ils ont envie de te fighter, tu sais pas pourquoi. Mais, plus il y a de civilisation, plus t'as des opportunités de faire du marchandage, avec plein de, plein de caravanes. Donc, ça dépend. Là encore, Medium, c'est bien. Ça, c'est le, le nombre de sites maximum. Bon, c'est pour augmenter le nombre de possibilités d'endroits où on peut s'installer. Le nombre de bêtes, donc c'est euh, des grosses bêtes. On va en on va mettre un peu plus. On va avoir un peu, je mets un peu plus fort si on voit un dragon, ce sera marrant. Ça c'est la, la natural savagerie, comme son nom l'indique, c'est le caractère euh, sauvage de la faune. Donc on part sur des choses normales mais effectivement enfin euh, tu vois par exemple, si on est euh, dans, dans une jungle ou dans le désert, on va rencontrer un léopard, peut-être en fait, il va tu vois si on le met en l'eau, peut-être il va rien faire. Mais si on le met en high, c'est sûr qu'il va nous attaquer. Et puis aussi ça détermine la, la, ça détermine la, la dangerosité des créatures. Et il faut voir qu'il y a des créatures dans le jeu, les vampires, les nécromanciens, les morts-vivants, euh, et d'autres choses, qui font que euh, euh, enfin, c'est très difficile de lutter contre une armée de morts-vivants, quoi. parce que, en fait on ne peut pas les tuer. Ça a l'air évident, mais c'est comme ça. Par contre, y a, le but ultime de beaucoup de joueurs, c'est que nos nains deviennent morts-vivants, comme ça ils ne peuvent pas mourir. Voilà. Donc je vais le mettre en médium. Et ensuite, euh, l'occurrence des minéraux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a très peu ou il y en a beaucoup? Là j'en ai mis beaucoup. Si vous pensez que le jeu est trop facile, vous pouvez le mettre en très peu. Alors, il y a un mode détaillé, j'ai pas vu. Oui d'accord, ok. <laughs> Donc il y a un mode détaillé avec euh, combien vous voulez de volcans, etc. Donc vraiment vous pouvez faire votre petit monde sur mesure. On va pas quand même aller trop loin, on peut rajouter des modes aussi. Et on commence. Donc là, on est en vanilla total. Voilà. Est-ce qu'il y a une rediff YouTube Oui, ou sinon tu regardes une rediff ici. Les civilisations sont-elles intelligibles entre elles Pas de langue et mœurs différentes Non, même si. Il y a des, euh, en fait en gros, tu n'as pas besoin de dialoguer avec ces civilisations. Donc là, il est en train de, de, de construire le monde sous nos yeux. Et comme vous pouvez voir, elle s'appelle dimension, les dimensions oraculaires. Et quand il met 15 Rejected, il a déjà créé 15 mondes avant qu'on voit celui-là, parce que les autres n'étaient pas compatibles avec ce qu'on avait demandé. Donc là, il, est en train, il a créé les, les, la, la topologie, la température, euh, donc les tropiques, le, là où c'est. Là, il a fait les rivières, et maintenant, il est en train de faire les lacs, et il est en train de distribuer les minéraux. Sur la, sur la carte. Sachant que la carte, elle a aussi une élévation, c'est-à-dire que quand on va jouer, on va jouer avec une élévation qui va jusque dans le ciel avec des nuages et jusqu'à 200 étages de profondeur. Voilà. Et, et là, c'est bon, il a mis les bidéros, il met les lacs. On voit que là, il y a. Attends, je sais pas si. Voilà, là, on a un petit volcan qui est en train de se créer. Et là aussi, il y a un autre volcan. Les volcans, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc. Euh, alors, est-ce qu'il y a des mœurs différentes Oui, euh, tu as des civilisations. Alors, par exemple, il peut arriver quelque chose, c'est que tu es la civilisation qui est euh, je sais pas euh, les mineurs de fer, OK Imagine les mineurs de fer, il faut une guerre contre des vampires. Et les vampires gagnent contre les mineurs de fer. Donc en fait, ton roi, c'est un vampire. Donc en fait, à un moment, si tu réussis bien, ton roi, il va venir chez toi et c'est un vampire, tu vois. Donc c'est enfin, on c'est Vraiment, c'est un grand générateur d'histoire On ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors là, il est en train de faire la chronique de tout ce qui s'est passé et il, met, il nous met les, les, grands, les grands lieux, tu vois. Les, grands, les, les grandes étapes. Donc, euh, il va y avoir... 20, là, il y, déjà, il y a déjà 25 000 événements qui ont été créés, tu vois. Et euh, 10 000 figures historiques. Et on est qu'à qu la D63. Donc, c'est en train de se faire. Et effectivement, euh, là, on dit... Euh, je sais pas. Euh, L'humain Damso euh, a devenu le, le lawgiver giver. c'est le, le roi en fait de, de tel truc. En fait, tu peux rencontrer son fils à un moment. C'est compliqué. Il y a peu de chance mais parce que ça... en fait, la même façon que il y a peu de chances que tu rencontres dans la virale le roi du Cambodge. Ben, voilà. Mais euh, il faut qu'il y ait une collab open AI. Le jeu, alors le jeu, je sais pas s'il est ouvert, mais il est ultra modable. Hein. C'est à la base, c'est un jeu gratuit. 6 depuis, enfin, depuis 2000 jusqu'au 6 décembre 2023, le jeu était gratuit et en fait, tu pouvais donner au Patreon. Donc, est, on n'est pas du tout dans un jeu commercial. Euh, il voilà. y a plein de gens qui, qui modent. Moi, je trouve que le jeu il est déjà ultra complet sans mode. Donc, euh, voilà. Donc, on peut concevoir des civilisations qui privilégient des modes stratégie d'action antagoniste. Euh, non, en fait, tu, tu gères que ta civilisation à toi. Mais tu peux décider, euh, par exemple, à un moment, tu peux créer une armée et tu peux décider de piller tout ce qu'il est autour, ou, euh, juste, ou, ou de voler les chevaux, ou de je ne sais pas. Tu peux même raser les villages qui est autour. Tu peux, En fait, théoriquement, tu peux même raser toute autre civilisation qui est autour. C'est compliqué parce que, en fait, euh, les villes ont tendance. En fait, en gros, si tu rases une ville euh, et que la civilisation compte 23 villes de 10 000 habitants, ils vont tous se mettre contre toi. C'est compliqué. Mais ça arrive. Et il y, y a toute une mécanique de siège. Attends, mais ça fait. On est en l'année 120 Parce que moi, j'ai dit quoi Ça va être 100. 100 oh merde. C'est 150 J'ai pas mis 500 J'ai mis 500 Ouais, c'est bizarre. J'ai peur que ce soit allé un peu loin. Mais bon. D'accord, c'est pas grave. Par contre, je me fais, je me fais un peu, je suis un peu inquiet parce que vous voyez, il y a déjà vachement. Là, il y a des monastères. Il y a des, il y a des petites villes qui sont en train de se créer. Et ils sont en train de me piquer tous les sites, là. j'ai envie de faire pause. Je fais pause. Attends. Back to main menu. Je suis désolé, on va recommencer. Je vais recréer un monde. J'avais mis combien Ok. Moi, j'ai mis 100. Je ne comprends pas. Bizarre. Je le recommence. J'aimais bien The Oracular Dimension, mais bon, c'est comme ça. Euh, le volcan à gauche peut poser de questions. Est-ce que les volcans peuvent créer des îles volcaniques au fil du temps euh, Je ne sais pas si ça bouge. J'en je, sais rien. Je ne sais pas. Il faudra regarder sur le wiki. Alors, le royaume portant tous. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous connaissez le, le, la définition du mot portant tous Ça me dirait. Oui, je pouvais faire pause. Mais j'aimerais que le jeu il fonctionne normalement euh, pour ce, ce truc. Alors, vous, pour les gens qui regardent sur YouTube, vous ne voyez pas le chat, mais je le fais en direct avec un chat. Pour ça, je tourne la tête. Et euh, voilà. Ah, voilà, ça a changé des paramètres en custom. On va voir. On va voir si ça s'arrête à. Il y a déjà 45 000 events. On peut choisir aussi sa civilisation de départ, mais c'est forcément des nains. Le royaume pompeux. Le royaume de mauvais augure, parfait. Alors, c'est pas pareil que No Man's Sky, parce que No Man's Sky, donc là, c'est bien, c'est bien. No Man's Sky, c'est un jeu qui est généré procéduralement, mais qui est fixe. C'est-à-dire que, en fait, si tu, en... si tu vas sur le jeu, enfin, si deux joueurs vont sur la même planète, au même endroit, dans No Man's Sky, ils vont trouver la même chose. Tandis que là, si tu génères un monde et que je génère un monde, ce sera deux mondes totalement différents. C'est très très différent. Alors, on va jouer. Donc là, on a un petit peu un, un avis. Euh, on, on voit un petit peu à quoi ressemble notre monde. On s'aperçoit qu'au nord, il y a des... de la glace, il y a de la toundra. Là, en fait, on a des zones un petit peu marron. C des, c des, je ne sais pas si vous voyez, c'est en violet, c'est marqué c'est hanté. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a des fantômes, tu vois. Euh, là, il y a plutôt des conifères. Là, c'est quoi c'est sinistre. donc euh, Et on voit un peu les, aussi les, les zones d'influence. Là, il y a des petits hameaux. Là, il y a une espèce de. C'est quoi L'île cyclopéenne. C'est un peu sinistre. C'est quoi La France bugnonne On ne sait pas trop ce que c'est. Bon, ça n'a l'air pas trop mal, même s'il n'y a, a pas trop de montagnes. C'est ça, c'est très joli. C'est la savane. On va peut-être faire un, 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 un petit jeu savane. Ça va être rigolo. On va voir. Moi, j'aime bien. Euh, donc, on, on garde. On garde le monde. Donc là, il, il, il sauvegarde le monde. Comme, comme en fait. Dans le jeu, quand tu fais une partie, il faut sauvegarder tout. Les sauvegardes sont plutôt longues. Et il faut voir un truc c'est que si tu joues dans le jeu, chaque jour est un jour et chaque semaine est une semaine, le monde va aussi évoluer en dehors de toi. Et euh, en dehors de ta petite sphère de. D'ailleurs, de... en fait, il y a des gens qui, euh, qui quittent la partie, ils font une autre partie et ils reviennent ensuite. tu vois. Donc là, Adventurer, comme je disais, dis, ça pas encore marché. On va juste faire 3 minutes sur Legend. Legend. Donc, c'est l'encyclopédie telle qu'elle est au début du jeu. Donc, par exemple, il euh, n'y euh, a, a pas de best beast. Hein. Euh, on peut regarder des figures historiques. Donc, là, on a un dragon qui s'appelle Inira. Et donc, euh, le, le, le joyau d'ivoire, Inira, était un dragon. Il était l'un des seuls de son, de son clan, euh, de, son, de son type. Et Inira était associé au feu et à. Il y a la richesse. Et donc, euh, c'est toute l'histoire Inira avec les dates. En 34, <laughs> Inira a rencontré un nain qui s'appelait Serol Sijid, et il lui arrachait le bras gauche. Et là, tu te dis, mais qui était Serol Et là, tu vois, Serol, en plus, c'est un pauvre nain, il est né en 34. Donc, l'année de sa naissance, il s'est fait arracher un bras. Et c'était le troisième, le troisième, troisième fils du, de Havuz et de Fikrod. Donc, euh, effectivement, ont, il, il, il a été attaqué par le dragon. Il s'est fait d'abord arracher le bras supérieur, ensuite le gros orteil, puis le, <laughs> puis le pied droit, et ensuite il a été tué. Il a été tué, et ça s'est fait à Willabeille. Willabeille, c'est quoi C'est euh, Ilox, j'imagine que c'est un, une sorte de trou à hobbit et euh, donc, en gros, il y a, voilà, ça explique tout. Donc, en fait, tu peux vraiment te balader dans toute l'histoire qui s'est déjà passée. Ça, tout ça, c'est le passé. Et là, l'idée, c'est que quand vous allez créer votre forteresse et que vous allez rencontrer des dragons et euh, créer des figurines et créer parfois des choses extraordinaires, ça va être consigné là-dedans. C'est-à-dire que vous pourrez, après plein de parties, regarder l'encyclopédie il y aura une couleur différente, sera en bleu. Et là, vous direz Ah, euh, tiens, euh, j'ai fait ça en même temps. Tu vois, Donc, c'est un, un, peu, un peu marrant. Voilà. Donc, c'est. En quoi ça influence le gameplay, le lore Alors c'est du lore qui est, qui est généré, mais en fait c'est cette idée de le lore il existe, et toi tu vas exister dans ce lore et tu vas peut-être aussi l'influencer. C'est-à-dire que par exemple il ira le dragon, là, peut-être un jour tu vas le rencontrer, et il va venir, il va manger la moitié de tes nains, il va se casser, et ce sera dans sa biographie à lui, tu auras été dedans, tu vois, c'est un peu ce côté. Donc, euh... ah oui, totalement, totalement. S'ils ne sont pas... Euh... Sont pas... Ah, tiens, il y a des régions souterraines, ah ben, elles ont pas de nom. Tu vois, il y a des... En fait, là, par exemple, dans cette région souterraine qui n'a pas de nom, parce que personne ne l'a découverte, il y a une bête qui s'appelle Kona. Et Kona, c'est une, un, une bête inconnue, qui est un quadrupède gigantesque composé uniquement de, fl de flammes. Et euh, donc, en plus, il a une queue empoisonnée. Euh... Et donc voilà, il est quelque part dans le monde, et un jour je vais creuser, je vais peut-être rencontrer Cona, ou peut-être je ne rencontrerai jamais, tu vois Donc c'est un peu, un peu dingue. Donc voilà, on a, on a joué à ça, on va lancer la forteresse. Donc tu es dans ta, dans ta civilisation de nain et il y a des semaines qui passent, qui vont préparer ta forteresse. Pourquoi on fait ça Parce que l'idée c'est que euh, on laisse passer un peu de temps à chaque fois. Pour qu'il y ait des tampons, on va dire, qui se forment entre, entre deux parties. Voilà, pour que tu ne puisses pas euh, récupérer ce qui se passe dans ta forteresse, etc. Donc vous avez un tuto qui n'est qui est pas débile, mais il manque des choses un peu compliquées quand même. On va skip le tuto. Et donc, l'idée, là, c'est de trouver un endroit où on va s'installer. Okay. La première chose qu'on peut faire, c'est regarder on vient de quelle civilisation donc là, on peut, devenir, on peut partir de la crypte des coïncidences, que j'aime beaucoup quand même. La lettre permanente, le steak. steak c'est pas c'est pas un, pas un, 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 un bâton aiguisé de, de la tentation. Le cristal poli. Et euh, donc, j'aime bien quand même la crypte de coïncidence. Donc là, on voit quand même des choses, parce que la crypte de coïncidence, ils sont 2700 et ils ont 28, 28 villes. Eux, ils sont 1200, tu vois. C'est barqué là, là. Tu vois. Et on voit aussi, il y a une reine. Il y a une reine, il y a un roi, et en fait tous les ans, tous les ans à la fin de l'automne, il y a une caravane qui va venir de, ce, de ton royaume et qui va te dire, ben bah voilà, il s'est passé quelque chose, il s'est rien passé, et voilà, et parfois ils vont te dire, bah, le roi il est mort, il a été tué, il se passe quelque chose que ça. Donc euh, on peut, euh, oui, on, on peut se bagarrer malheureusement. L'idée c'est d'éviter ça. Et là, tu voyais, script, ce c'est tout ce qui est en bleu. Et la permanente letter, c'est tout ce qui est en bleu, mais ils sont plutôt au nord. Tu vois. donc on va regarder les scripts. C'est marrant. Par contre, je suis un Attends, sais de voir, c'est parce que je voulais être un peu plus proche de, de la toudra. Ah ben voilà, on va plutôt être dans la polish cristal parce que je voulais être un peu près de la toudra, c'est rigolo. Donc notre reine, vive la reine, s'appelle Stukos Grooved Granite. Okay. Ensuite, euh, en fait, pour commencer ta partie, tu as juste à cliquer à un endroit. Et en fait, tu fais, en fait, en gros, tu, là j'ai cliqué pour zoomer. Attends, est-ce qu'on peut dézoomer Voilà, clic gauche pour zoomer, clic droit pour dézoomer pour dire tiens c'est quoi ça tu vois c'est un peu étrange là il y a quoi là tu, par exemple il y a donc c'est la savane il fait chaud il n'y a pas beaucoup d'arbres euh, et là il y a beaucoup de, de végétation sauvage et il y a une tour naine c'est intéressant donc ils ont créé une tour <coughs> en fait on peut décider les choses comme ça mais il y a une façon plus safe de décider le lieu mais je vais vous montrer quelque chose on va cliquer là <coughs> on va plutôt cliquer là pour, en attendant excusez moi alors, là vous voyez les petits cactus. En fait, imaginez que je vais me mettre là. Vous voyez, je voyais ma, ma souris qui est au milieu là. Je peux pas me mettre sur les, les endroits en rouge, parce que ça veut dire qu'il y a une civilisation qui est déjà, là, qui est trop prête, trop près de moi et qui est en train d'exploiter le lieu. Donc, en fait, on peut pas. Donc, en gros, en haut, en haut à droite, c'est à marquer le nom. On est sur les dunes de l'honnêteté. Sur le continent de, du Riddling donc de, de, le continent euh, de, je sais pas, de, 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 des devinettes, on est dans un, dans, un, dans un biome de type badlands. Les badlands, c'est euh, le monde à la Mad Max. Il fait chaud, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'autres végétations. C'est vraiment l'Australie quoi. Il y a, euh, sur une Wilderness, ça veut dire qu'il y a des, une faune sauvage. Et ensuite, il y a quelques données. Tu vois, parmi il y a « some soil », ça veut dire quoi c est, c est, Il y a un petit peu de terre cultivable. Il y a euh, de l'acier, de l'or, etc. Il y a du platinum aussi, c'est pas mal. Et il y a aussi ce que s'appelle le « flux stone layer », c'est-à-dire qu'en gros, il y, a des, euh, il y a une couche de métaux qui fait que si tu extrais des métaux, bah, ça va permettre de, euh, ça va permettre, bah, de faire des armes. Et voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, on remarque une chose, il n'y a, a pas de rivière. Il n'y a pas de rivière souterraine non plus. Les rivières souterraines, on les... On... <laughs> Attendez, j'essaie de trouver un endroit, voilà. Euh... C'est très important que je vous en parle. Euh... Bon, en gros, c'est pas mal d'avoir de l'eau. On peut totalement vivre sans eau dans Dwarf Fortress parce qu'il y a une façon de créer de l'alcool pour créer de l'alcool sans passer par l'eau. On peut extraire de l'eau depuis nos plantes. Mais. Il vaut mieux avoir de l'eau. De, de Alors attends, voilà, très bien. Donc là, en fait, vous voyez en violet dans les gims de la stabilisation, il y a marqué light aquifère. Alors ça, c'est un, un problème. Le light, c'est à la fois une bénédiction et un problème. La bénédiction, c'est que c'est de l'eau, donc si tu manques d'eau, tu pourras toujours trouver de l'eau. En fait, light aquifère, ça veut dire qu'il y, y a une couche d'eau à un moment dans, dans le sous-sol. T'as les light aquifères et t'as les heavy aquifères ou vraiment t'as as de l'eau, t'as un océan quoi, un océan souterrain. Le light aquifère, t'as une rivière souterraine. Le problème de l'aquifère, c'est que tu peux pas creuser trop profond. C'est-à-dire qu'à un moment tu vas creuser, tu vas trouver de l'eau. Ok, tu vas dire bon bordel, tu vas essayer de creuser ailleurs, tu vas trouver de l'eau. Et en fait, ça tout est plans de belles euh, belle forteresses. Elles vont être gênées par cette rivière qui sera toujours là, qui va être dans des méandres. Et qui va... Donc, c'est un peu le bordel. C'est un peu compliqué à gérer. Donc, en général, il ne faut pas commencer par la Aquifer. Et là, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'il faut se taper tout. Maintenant, il y a un système très simple. Donc là, je vais dézoomer. Et en fait, vous pouvez t... il, y a un, il y a un moteur de recherche. Si je retrouve ma, ma souris, Find Embark Location. Et là, vous dites, je veux. Trouver une zone donc de 4 sur 4. Donc on ne prend, prend, prend jamais plus que 4 sur 4 dans ce jeu parce que c'est la, la zone maximum. Est-ce que c'est sauvage Je m'en fous. Est-ce qu'il y a des esprits Je m'en fous. Ah non, spirit, c'est autre chose. Ça veut dire... Euh, spirit, c'est... Euh, S'il y a de la... Enfin, comment dire La... la comment ça s'appelle la, la faune qui est autour de toi, elle peut être sauvage ou gentille. Je ne sais pas comment expliquer ça. Euh, en fait, elle peut être agressive. Alors, sauvagerie, c'est qu'elle peut être agressive ou calme. Et elle peut être de nature evil ou good. Donc, si c'est good, tu vas avoir des. Euh, tu vas avoir des. Euh, des licornes, des satyres, des petites fées. Mais tu peux décider que ces petites fées sont agressives. Tu vois Donc, c'est un, un, un peu un délire. Tu peux décider de l'élévation. Est-ce est que tu seras dans la montagne ou bas De la température, etc. Donc, en fait, les éléments qui sont importants, c'est. Il faut qu'il y ait une, une zone de métal. Donc, Flux stone Layer, vous mettez yes. A qui faire light Non. A qui faire Non, parce que vous voulez creuser. Euh, si possible, on va mettre au début avec une rivière. Il faut qu'il y ait un petit peu de. Some soil. Un petit peu de. Un petit peu de, 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 de sol cultivable. Parce que ça va être important pour notre survie. Et tout le reste, tu vois, est-ce qu'il y aura du bismuth Je ne sais pas. Mais voilà. Et donc là, en fait, il va scanner le monde. Pour trouver ces endroits là, alors pour, pour passer, euh, voilà, il est en train de scanner pour passer d'un et, et évidemment. Il va prendre des zones qui sont loin des zones déjà construites pour faire naviguer sur la carte. Vous pressez le, le bouton du milieu de la souris et vous faites glisser. Hein. Donc là, par exemple, il a trouvé zéro zone. Ah, si, non, zéro zone. Ça, c'est zone verte, c'est des, euh, des repères d'elfes. Alors jaune, ça veut dire que il euh, n'y a pas tout, mais euh, peut-être qu'il va trouver. Donc là, par exemple, il y a du vert. Vert, 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 vert. On peut s'installer. Mais là, il y a une sorte de forteresse. Je sais pas ce que c'est. Bon, on va voir. Parce que moi, de toute façon, je voulais m'installer. Oh, c'est joli, ces petits hameaux aussi. Et parfois, par exemple, ma dernière partie, je ne sais pas si vous avez suivi, j'étais à côté d'une grande route commerciale. Je n'avais pas vu. J'avais plein de. Euh, voilà. Des terres arables. Est-ce qu'il y a une gestion de l'eau dans le sens où on peut créer des bassins de ah, oui, Totalement. C'est-à-dire vraiment. Euh, euh, j'ai raconté hier que j'ai vu quelqu'un qui avait fait quelque chose de rigolo. C'est qu'il avait creusé hyper profond. Et ensuite, euh, il, est, il, a, il a creusé euh, sa forteresse dans les profondeurs. Il a fait un autre escalier pour remonter, tu vois, trop classe. Et quand il a remonté, un moment, il tape et il y a un océan souterrain, ce qui fait que l'océan, il, il est redescendu. Enfin, il a inondé tout le monde. Et comme c'est un océan infini d'eau. Et ben l'eau est remontée, genre pff, comme un comme un geyser, tu vois, dans, dans les dans les donc il y a notamment en fait il y a une énorme partie du jeu qui est basée sur le détournement des rivières, les barrages des rivières, les barrages des magmas aussi. Et par exemple quand tu es dans des zones dangereuses, parce que les gens sont parfois sur des ennuis, où tu vas avoir des, des armées de gobelins et je parle de mille gobelins qui vont être devant ta porte, ta forteresse. En vrai tu as des gens ils rigolent trop, ils mettent la porte de la forteresse devant une devant une rivière, c'est un vrai truc qu'on peut faire. Ils font un barrage sur la rivière. Donc là, la rivière elle s'étend mais eux ils s'en foutent ils sont sous l'eau. Les gobelins arrivent, ils montent le siège, ils appuient sur un bouton, et euh, la rivière elle emporte tous les gobelins. Voilà. Euh... Donc euh... Le... en fait, il y a une courbe de difficulté d'apprentissage qui est compliquée. Mais quand tu l'as géré, t'es ultra fort. Donc là, il n'y a pas beaucoup. Eh hey, oh Ah voilà. Donc là, tous les trucs verts sont là. Donc il y a... y a des coins qui ne sont pas loin. Moi j'aime bien. J'aimais bien la... J'hésite un peu. Mais je... Le c'est. Que... Attends, on va... on va zoomer un peu. Là, ça a ah, l'air. J'hésite un peu. J'hésite entre ça. Alors ça, c'est ça. Ok. Ça c'est quoi Donc j'hésite entre ces deux-là. Est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez Regardez. Alors, on va faire. Alors là, il y a. Là, y a... Tu vois, là, il y a des. J'aime bien parce que c'est la savane, tu vois. Bon, je vais... on va aller là. C'est rigolo. J'ai jamais jamais testé en savane et il y aura des choses un peu marrantes. Donc euh, on va embarquer. et donc vous voyez quand on a choisi l'endroit. On peut, je vais y arriver. On peut embarquer. Donc, encore. Donc là, on est sur le point de commencer une partie. Ça fait longtemps que je parle. Je parle depuis euh, une heure. On n'a pas commencé de partie, mais ce n'est pas grave. Donc, on peut décider si le jeu est trop facile d'avoir encore plus d'ennemis, encore plus d'économies euh, vénères. Et euh, on peut également, euh, donc dans le jeu, si vous faites Play Now, vous allez partir avec le package de base qui est ultra facile. Donc, on ne va pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Parce que sinon, tu peux préparer vraiment ton voyage. C'est-à-dire, en gros, tu as un certain nombre de points qui te permettent d'acheter. Je veux euh, 16 barils, je veux une, une enclume, je veux un pic. Je veux... Mais là, il faut vraiment connaître le jeu vraiment sur le bout des doigts. Donc, en gros, quand tu fais Play Now, tu as une petite, une, petite chariole, une, petite, une petite chariote, une petite carriole avec plein, tout ce qu'il faut. Et notamment, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la carriole, elle est faite en bois, donc tu peux aussi utiliser le bois de la, la carriole. Et, et tu as, tu as six, six nains qui sont, tous, euh, qui sont tous occupés. Donc voilà, c'est parti, play now. Alors, euh, vous êtes, vous êtes arrivé. Donc là, on est, à, on, a, on est arrivé, on est à Catilbim. On, crée un, on est dans un avant-poste qui s'appelle Catilby. On vient de le créer. Euh, ok. Donc, déjà, il y a plusieurs choses à voir. Donc, là, il y a le nom. Et. Euh, attendez, voilà. Donc, là, t as, t as quelques, quand tu cliques là, tu as quelques quêtes, mais on va pas s'en occuper. Ça, c'est ta population. On est 7. Et le but, c'est d'être à 3000. Ça, c'est comment se porte ta population. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient tous heureux et qu'il n'y ait personne de malheureux. Okay. Sachant que s'il y a au moins une personne malheureuse, ça commence, ça commence à être problématique. Pourquoi Parce qu'il y a ce qui s'appelle la, la spirale dépressive. <laughs> C'est-à-dire que quand un mec est malheureux, il va peut-être se suicider ou il va peut-être attaquer des gens. Et ce qui fait que ses copains, bah, ils vont être malheureux. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça, ça, sans fin. Et en fait... Quand on est 7, ça va, tu vois, tu peux gérer. Mais quand on est 3000, c'est très compliqué. Ça va. Ils sont tous fils de machin, voilà. Donc euh, ensuite, ça, c'est ce qu'on a. Sachant qu'il y a un petit tilde avant. Pourquoi Parce que en gros, c'est ce qu'on a à la louche. C'est-à-dire que quand on a 60 de nourriture, sachant qu'un nain, il va consommer euh, deux têtes, hein, j'espère. Un, un nain va consommer deux de nourriture par saison. Euh, mais en fait, si ça se trouve, c'est que 55, tu vois. Et pour avoir le nom exact, il faut nommer un nain qui va tenir les comptes en permanence et qui va dire c'est ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de nains pour faire ça, donc on va pas faire ça. Donc il faut de la nourriture, il faut de l'alcool, de la, de la, de enfin de drink, de l'eau, de l'alcool, sachant que s'ils meurent de soif, ils peuvent aller jusqu'à une rivière. Attends, je vais regarder s'il y a une rivière pas loin. il y a une rivière pas loin, bon, rivière, pas loin. Voilà, elle est là. Et euh, donc ils peuvent quand même se traîner jusqu'à la rivière, mais ils peuvent uniquement se nourrir d'alcool. Et en fait, il vaut mieux d'ailleurs faire une stratégie pure alcool pour les nains, sachant que les nains ils ont besoin de boire de l'eau que quand ils sont blessés. Ça c'est des graines. Les graines sont importantes parce qu'elles permettent de faire pousser des plantes de lesquelles on extrait de l'alcool. Ça c'est de la nourriture, mythe euh, de la viande et du poisson. Comme il y a une rivière pas loin, on va avoir du poisson, on va plus savoir qu'en faire, ne vous inquiétez pas. Et ça c'est des plantes diverses. Euh, diverses utilités. Ça, c'est la date, et ça, très important, c'est la saison. Pourquoi c'est important Parce que je vais vous dire un truc qui va vous épater, mais en été il fait chaud et en hiver il fait froid. Et euh, c'est hyper simple de mourir euh, parce que vous vous êtes dit, ah, il y a une rivière trop facile, tout d'un coup l'hiver arrive, la rivière est gelée. Euh, en, fait, en fait, la rivière elle gèle en amont, genre 2000 km plus haut plutôt, et il n'y a plus d'eau dans la rivière. Tu vois. Euh, et donc, tu n'as plus d'eau et tu n'as plus de poissons. Et euh, les gens meurent de faim et de soif. Ou en été, pareil, euh, tu es en Australie, tout d'un coup, la rivière il fait trop chaud, la rivière s'évapore, plus de poissons. Enfin, il y a des poissons au début parce que tu les ramasses, c'est trop bien. Et après, tu n'as plus de poissons. Donc, les, les saisons sont importantes également. Donc, en gros, il y a surtout cette idée de l'hiver est important. Et en plus, on ne peut pas planter des plantes à toutes les saisons. Ok et le dernier point, mais en fait, en gros, il faut se dire qu'est-ce qu qui se passe dans la vie réelle. Plus que, voilà. Et le dernier point, c'est en automne, à la fin de l'automne, tu as quelque chose qui arrive, c'est tu as une caravane qui vient de ton pays. Et donc, si tu as euh, créé des choses, si tu as trouvé des, des diamants, des trucs, tu peux effectivement dire Oh là là, euh, j'ai plus d'alcool, vas-y, file-moi toutes tes réserves d'alcool, je te file des diamants. Donc, en, faut, en gros, la caravane, c'est un peu ta dernière chance avant l'hiver. Mais la caravane. Il y a plein de conditions à ça. Et une des conditions, c'est qu'elle ne soit pas, pas manger par un dragon sur le chemin. Voilà. Euh, ensuite, là, il y a la pause. J'ai activé. Là, le jeu est posé de base. Et en fait, plus simple que de, de déposer en, en cliquant là, tu peux appuyer sur la barre d'espace. Donc, dès qu'il qu y a un souci, tu appuies sur la barre d'espace. Le jeu est posé. Et tu peux jouer tranquillement et, ré, et réfléchir à, à, à ton problème. Là, tu as. Euh, euh, bon, c'est pour faire, tu peux, tu peux faire des touches rapides pour, aller, pour arriver à certains endroits. Ça, c'est pour te retrouver à ce niveau-là, pour trouver exactement cet écran-là. Tu retournes au début. Et ça, c'est pour aller à l'endroit le plus bas que auquel tu as jamais creusé, ce qui est assez utile. Ça, c'est le plan. Vous voyez, il y a marqué élévation 44. Ça veut dire qu'on est 44 étages. Voilà. Euh, on, va, on parle du YAC, c'est intéressant, mais on est 44 étages au-dessus du niveau de la mer. Parce que, pourquoi Parce qu'on est dans les montagnes. Mais vous voyez... Euh, et donc là, par exemple, avec la, la molette de la souris, je peux monter d'un étage ou descendre d'un étage. Et vous voyez, quand je descends d'un étage, cette espèce de, de colline qui est là, hop, on la voit plus parce qu'elle est un étage plus haut. Mais ce que je veux dire, il y a ces petites flèches qui nous indiquent est-ce que ça descend ou est-ce que ça monte pour qu'on ait plus de visibilité. Et je vous avoue, je n'ai pas réussi à les enlever. <laughs> ça doit être dans les settings, quelque part. Euh, donc, euh, pour l'instant, on a besoin que de ça. Donc, on peut regarder déjà ce qu'on a autour de nous, juste en passant le, le, la, 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 la flèche sur euh, le curseur. Donc, là, on a euh, un rocher, par exemple. Là, on a quoi Du millet. Là, on a un, un gros euh, tronc de carambole. Là, on a nos nains. Et euh, ils ont apporté avec eux un buffalo, euh, un buffle. Alors encore un buffle, et on a avec nous un petit chat. Et euh, on a quoi d'autre euh, Du yam, ça c'est quoi du, Un muskmelon, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Et oh, du concombre, ça, un concombre, exactement. Donc c'est bien le concombre, mais ça nourrit pas son nain, on va dire. On va, on va trouver. Effectivement, le yak, ce qui est intéressant, euh, le petite flèche à gauche de la mini map c'est ça Yes, merci. <laughs> euh, le yak, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, peut, on peut le. On peut le le traire, voilà aussi. On peut aussi, euh, on peut aussi euh, déconstruire tout ça, peu importe. Donc dans tout est nain. Alors, il y a, est quoi, ça on a aussi un, une pitchique J'imagine que c'est un, un, un petit pan, un panneau, un panneau, un panneau. Tiens, je vais demander à Cratu. Cratu Comment appelle-t-on le petit du pan Le petit du pan Du pan. Le panneau Le panneau. Le panneau. <laughs> on a un petit panneau. Voilà, mmh. c'est mignon. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre Là, on a quoi On a aussi... C'est le, le panneau, exactement. Et ça, c'est ça. C est, c est un, on a un stray dog et un stray donkey fall. OK. Donc, en gros, on a des euh, alors le petit panneau va devenir un grand pan un jour. Et peut-être il va se reproduire avec un autre pan, faire des bébés. Même chose pour les chats et les chiens. On a deux chats. D'ailleurs, c'est quoi C'est un, un chat... Euh, non, c attends, c un, ça, c'est une femelle. On a deux femelles chats. Ce qui est une, Bonne nouvelle, parce que quand on a un mâle et une femelle, en général, euh, on, on a ce qu'on appelle la catsplosion. C'est-à-dire qu'il y a des chats partout. Mais des catsplosion, il y en a, il y en a plein, de, il y en a plein de tout. Donc, bref, en tout cas, euh, la première chose que vous allez faire, c'est creuser. C'est quoi ça aussi, un, un fruit de? En fait, les priorités, c'est quoi? Le jeu est toujours pause là. Priorité, c'est quoi? C'est de survivre à l'hiver. Et la priorité, c'est d'avoir de l'eau. Enfin, à manger et à boire. Mais le problème, c'est que euh, on pourrait tout de suite faire des champs, là, tout de suite, et euh, faire un, un, une brasserie. Mais si on les fait euh, ici, là, euh, on va dire à, à ciel ouvert, on va avoir un problème. Parce que euh, bah, un gobelin passe, il va nous voler des trucs ou il va nous attaquer. Et euh, dès qu'il va pleuvoir, ton nain qui travaille les champs et euh, qui... Euh, <laughs> <laughs> et qui, euh, qui, qui brasse la bière, il va dire euh, non, mais oh, je travaille pas sous la pluie, t'es ouf ou quoi. Donc en fait, il va falloir creuser une forteresse, et là, le jeu de Dwarf Fortress commence enfin. Donc, comme vous le voyez sur la carte, la moitié inférieure de la carte, c'est une montagne. Et en fait, dans cette montagne, on va creuser en élévation 44, on va faire une sorte d'antichambre, et ensuite, dans l'étage du dessous, et la, la montagne grossit de plus en plus parce qu'on on va en descend les étages géographiques. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que le... je vous montre un truc. Là, on a le tronc du carambole. Si je monte d'un étage, vous voyez que le, le, le carambole s'étend. Le... Là, s'il ils sont, ils sont... pleut, ils seront dessous, sous la pluie. Enfin, ils sont protégés de la pluie. Et le carambole, il, il monte de plusieurs étages. C'est un immense carambole. Donc, on a des arbres qui peuvent être vraiment immensissimes. Et en élévation maximum, parfois, on croise même des nuages. Vous allez voir, il y aura de la neige, il y aura, il y aura plusieurs. Il n'y a pas du tout de mode, c'est la version c'est la version vanilla de, de, de Steam. Ensuite, euh, donc on va créer un, un alors moi je vous donne ma technique, mais c'est pas forcément la bonne. Mais en gros, on va créer une on va créer une en fait dans la dans la forteresse idéale dans la forteresse idéale, vous avez une forteresse où il est facile d'entrer quand on est un ami et difficile d'entrer quand on est un ennemi. Donc il y a des gens ils font un labyrinthe insupportable pour aller à l'étage inférieur, mais aussi une, une entrée spéciale ami hyper, hyper rapide. Tu vois. Mais il faut qu'il y ait quand même cette, cette première entrée. Un, un joueur débutant pourrait creuser totalement cette, cette, cette zone et faire tout, c'est-à-dire chambre à coucher, etc. Et donc, euh, nous, on va essayer d'organiser les choses, et on va aussi bien les organiser dans le sens où on ne va pas mélanger les endroits où ça bosse toute la journée, la taverne où ça ripaille le temple où ça a besoin de silence, le, euh, les chambres à, les chambres à coucher où on a envie de dormir, euh, la caserne des soldats. tu vois, En fait, limite, tu vois, on a la place pour faire un étage pour chaque activité. Et également, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut décharger assez rapidement les, euh, les, les choses qui sont là, et surtout, <coughs> et surtout bien les ranger. Parce qu'en en fait, il faut que si tu es en train de créer, euh, je sais pas, une épée en métal, il faut que tes lingots de métal ils soient accessibles et dans un endroit parfaitement défini, et pas euh, un nain qui va chercher à l'autre bout du monde de lingots de métal parce que donc il y, a, y a du ran... En fait, dans ce jeu, l'idée c'est du rangement. Alors pas forcément de l'organisation, elle viendra ensuite. Et vous pouvez déranger les choses. Par contre, on ne peut pas décreuser les choses. Voilà. Donc, euh, on va commencer à creuser. Et là, on peut faire une entrée là. Ouais, c'est assez intéressant. On va faire, on va faire une entrée. Et vous voyez, on peut aussi s'imaginer demain, je fais une entrée, je mets deux statues, ça peut être rigolo. Donc là, on va commencer à creuser. Donc j'ai utilisé le bouton euh, le bouton pioche qui est là. Et là, on va faire un escalier qui descend. Ok Donc c'est un peu, on rentre tranquillement, et on, on prend un escalier qui descend. Donc ensuite, pour faire un escalier qui descend, j'utilise le bouton euh, escalier qui est là. Je clique là. J'ai un escalier. Mais est-ce que c'est un escalier qui monte ou qui descend et Ensuite, j'utilise la molette pour descendre d'un niveau et là je repuis dessus comme ça l'escalier il se fabrique tout seul voilà. et après on va recreuser. donc là personne ne creuse parce que euh, parce que c'est pas encore demandé et là ce qu'on va faire c'est qu'on va on va près du bord de la près du bord de la de la montagne on va commencer à creuser nos champs et on va essayer de trouver des, des terres qui sont cultivables donc c'est un pari hein, on va voir donc là je vais creuser pour voir si c'est des terres cultivables et euh, sinon on essaiera de les trouver ailleurs. Parce que les terres cultivables le sont dans des endroits qui sont proches de la surface, d'une certaine façon. Ensuite, c'est pas terminé. Comme je vous l'ai dit, dans ce jeu, il faut mettre les objets au bon endroit. Idéalement, par exemple, quand vous coupez un arbre, on va couper un arbre et ensuite on va le débiter en. en, en... en bûche, en rondins. Et ces rondins, on va les mettre, on va les stocker dans un endroit qui est proche du gars qui va utiliser les rondins. Par exemple, ce qui est important. Oui, alors, cultiver sous terre, c'est une bonne, une bonne question, je te réponds à ça dans deux secondes. En fait, dans... en fait si vous mettez. En fait, euh, c'est pas très grave, mais euh, petit petite effet papillon, euh, grand, grand grande conséquence, c'est que si votre bûcheron, il coupe le bois, et t'as un nain qui prend tes, tes rondins, qu'il les met dans un endroit méga loin. Et qu'ensuite, tu as ton charpentier qui dit j'ai besoin des rondins. Et donc le gars, il est obligé d'aller méga loin. En fait, l'idéal, c'est de mettre les rondins à un bon endroit. tu vois. Alors, idéalement, par exemple, à côté du charpentier. Mais tu peux aussi décider de faire un énorme stockage de rondins quelque part et de faire un sous-stockage sur le, le charpentier. Tu vois. Donc, il y, y a cet aspect un petit peu d'organisation. Ça a l'air d'être un peu difficile comme ça, mais vous allez voir, c'est enfin, assez, assez rigolo. Mais en, en, entre, entre autres zones de stockage, il y a deux choses dont on ne veut pas. Dans une, dans une maison, c'est la poubelle et des cadavres. Je sais pas si vous avez envie de dormir à côté d'un cadavre, euh, de chien, de chat ou même d'un humain, pas très intéressant, et vous n'avez pas envie qu'il y ait des ordures qui traînent partout. Donc en gros, en fait, dans ce jeu, euh, dans ce jeu, tu. Comment ça s'appelle Dans ce jeu, tu peux. Euh, quand tu dis Quand tu dis cette zone, tu peux stocker que ça là-dedans les nains, tout de suite, tout seuls, ils vont prendre les objets qui ne sont pas dans cette zone et ils la mettent dans cette zone. Tout de suite. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet, euh, permet qu'à au, aucun moment, il y ait des ordures qui traînent dans les, euh, dans les couloirs. Donc les nains sont plus contents, il n'y a pas de maladie, etc. Et euh, le... non, mais surtout, ça les déprime, ça des choses décédées. Et donc, le, le truc, c'est qu'une des premières choses à faire, c'est de créer une zone. Donc, la création de zone, c'est là ça s'appelle des stockpiles, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est-à-dire, je, je vais créer une zone, et là, par exemple, c'est un peu con parce qu'il y, y a de la nourriture là, mais bon, je crée une zone là, une petite zone, hein, et euh, dessus, dessus, je vais mettre ce que s'appelle le refuse, c'est-à-dire c'est la poubelle. Donc en gros, dès qu'il y a un truc qui traîne par terre, qui euh, ne sert à rien, on le met là. Voilà. Et à côté... Je fais une autre zone. Et là, je mets les cadavres. Corpses. Corpses. Sachant que si un nain meurt, bah, le dépotoir, je viens littéralement de le faire. Si un nain meurt, il ne faut pas le mettre dans le débarras à, dans le débarras à cadavres. Parce que euh, si tu le mets à côté des cadavres de chiens, tes nains, ils vont mal le prendre. Tu vois. Donc, euh, l'idée, c'est. Euh, après, on créera ce qu'on appelle des tombes. Ce qui est un peu différent. Alors ensuite, j'ai toujours pas démarré le jeu. Un autre truc qu'on va faire, c'est que on va couper du bois, parce qu'on n'a jamais assez de bois dans le jeu. Donc ce gros carambole il va y passer. Donc j'utilise ce, ce ce, cette petite hache là que vous voyez, et je, je, je vais abattre deux, deux, trois gros arbres. Alors désolé, hein, voilà. Et euh, ça nous fournira beaucoup de beaucoup, beaucoup de beaucoup de bois. En tout cas pour démarrer. Et là, je peux appuyer sur la barre d'espace et le jeu va se mettre en place. Les ordures devant l'entrée, c'est pas un peu proche. C'est pas très grave. Parce que en... il faut voir qu'au début, en fait, imagine t'arrives avec tes, tes nains et tu dis, écoutez, les ordures, on va mettre ça là, s'il a des cadavres, on va mettre ça là. Mais après, ta, ta colonie, elle va s'arranger. Tu vois, par exemple, dans ma dernière partie, j'avais fait une taverne, vraiment belle, tu vois. Et je me suis dit, ah oh, putain, j'aurais bien voulu mettre un parquet, tu vois. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre taverne à côté, vide, et interdit d'y aller. J'ai mis un beau parquet, ça m'a pris vraiment longtemps, genre deux ans pour, trouver le, pour faire le parquet et tout. Et après, j'ai vidé la taverne et je l'ai mis dans l'autre. Donc en gros, y a, en fait, ta, ta colonie, rien n'est définitif, c'est pas SimCity, elle est tout à, en évolution totale, tu vois. Et, donc, euh, et là, en fait, j'ai joué un petit peu avant, mais euh, là, j'ai 10 heures de jeu depuis la nouvelle version, donc... Euh donc, il faut. Ah oui, donc ce que dit Firewall, très important, ne cumulez jamais un refuse et autre chose dans les settings. Effectivement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu fais une stockpile, tu pourrais dire décider, tu sais quoi, on fait une stockpile là, voilà. Et j'ai pas envie de me casser les couilles, on va tout mettre, tu vois. Et en gros, si tu fais ça, ils vont mettre, genre, la bouffe, les cadavres et la poubelle dans le même endroit. Voilà. Donc, je vous laisse deviner ce qui arrive. Donc, c'est pas intéressant. Donc, du coup, je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà, mais il faut faire ça. Donc là, maintenant qu'on a fait un petit setup tranquillement, on a, j'appuie sur barre d'espace, ils vont commencer à s'agiter. Donc eux, ils vont pas faire grand chose. Il y en a un qui est en train de se faire couper là. Hein, voilà. Donc là, il est en train. Alors ce qui est intéressant là, c'est voyez ça, ce sol, il est pas gris. Alors je pose il est, euh, il est couleur euh, brun. C'est à dire qu'il est cultivable. Voilà. Donc là, il est en train de creuser, il est en train de faire l'escalier. Donc ça va assez vite, hein, vous voyez. Donc là par exemple, je ne pourrais pas cultiver. Également parfois, quand il, quand il, quand il, quand il creuse les murs, il, il libère des rochers qui sont ensuite exploitables. Donc là on s'aperçoit qu'il n'y a pas de. C'est un peu de sol exploitable. Ok, très bien. Donc là on va, on va faire nos on va faire nos plantations ici. Donc je vais faire ça. Donc là, ce sera. Donc je, je fais des. Euh, on peut faire des plantations de la taille qu'on veut. Moi, je fonctionne en petites unités de 3 pour tout. Voilà. Donc. Euh... Ah, attends, là, vous voyez, si je creuse là, en fait, les gens pourront rentrer par là, ce qui n'est pas bien. Vous voyez, là, il a déjà coupé mon arbre, là. Euh... Donc, on va continuer par là. Voilà. Et moi, en fait, en gros, euh... ce que je fais au début, c'est que je fais autant d'emplacements de fermiers que, 1, 2, 3, 4, 5, que de nains, que de, enfin, je, fais six, je, je fonctionne par 6, voilà. voilà, en gros, donc là, il va continuer à creuser, mais, euh, pour mes, là, il y a d'autres nains, ce qu'on va faire, c'est que je vais, euh, je vais continuer à creuser, alors, je vais faire un truc un peu technique, c'est-à-dire que, vous, tout à l'heure, je vous ai expliqué comment faire un escalier, d'accord alors, justement, Dark Matman, c'est assez intéressant. Comment tu fais pour assigner tel rôle à tel nain En gros, tes nains, tu dis « Faut que ce soit fait, je m'en bats les couilles qui le fait. » Évidemment, c'est plus sympa qu'un nain qui soit mineur, qui a un pic, creuse. C'est un peu le seul nain. Euh, à... Mais après, tu as un système d'assignation, mais c'est un peu trop avancé pour le moment. Donc, en gros... Euh, comme je vous l'ai dit, si je veux faire un escalier, je peux faire ça, tu vois. Et là, l'escalier va se creuser tout seul. Donc là, je vais gommer, parce que j'ai pas envie qu'il qu le fasse. Mais il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors que je savais le faire, c'est qu'en fait, sur ce même escalier, tu peux faire un escalier, genre, en rond, comme ça. Donc là, vous voyez, je vais continuer, je fais ça, et en fait, il va créer... Ah, merde. Attends, hop. On va voir si ça fonctionne. Parce que si alors Alors, ça... normalement, ça devrait fonctionner, je comprends pas. Bon, bref, on verra bien. On va voir si ça fonctionne, tiens. Ah, voilà, ok, très bien. Donc là, en fait, euh, j'attends qu'il le finisse. En fait, il a fait un escalier, oui, qui descend comme ça. Donc ça dépend, après, moi, j'aime bien les, les constructions un petit peu généreuses dans lesquelles on peut aller. Donc là, au premier niveau, on a fait les fermes. Au deuxième niveau, on va stocker, le, stocker tout le matériel. On va faire un stockage irradiant, si ça vous va. Donc, euh, on va faire déjà comme ça. Voilà. Là, on va aussi faire un autre escalier qui descend donc c'est notre escalier en tourbillonnant là, et donc ensuite, le stockage irradiant, il va fonctionner comme ça, alors vous choisissez vraiment, il euh, y, a, y a vraiment y a des discussions, est-ce qu'il vaut mieux une, une architecture organique, ou une architecture géométrique, symétrique, à vous de voir, moi euh, j'aime bien la symétrie, ça m'apaise tu vois, alors c'est bien de fonctionner quand même, en first thing first, c'est à dire on n'avance pas trop, sur plein, on n'avance pas trop vite sur plein de choses, et vous voyez je mets souvent la pause, donc là je vais laisser continuer à creuser, ça va oui, je Ben, je joue à Dwarf Fortress. <laughs> enfin, surtout, je... Oxygen Not Included. Oui, il y a... en fait, Dwarf Fortress, c'est un peu le papa de tous ces jeux, donc il est, il est extrêmement en avance, tu vois. Ah, j'oublie. Oh, attends, il faut, que je, il faut que je nomme les nains. Alors, attends, qui a ce B Qui a ce B, ah, va... B Est-ce que vous pouvez faire un. Parce que je vois beaucoup de gens qui m'ont suivi, mais pas les gens qui ont ce. Qui a ce B Nommez-vous les subeurs. Comme ça, je nomme les nains en sub. Non mais je suis hyper content j'espère que vous allez y jouer, vous allez faire créer vos propres... Alors là je suis un peu emmerdé parce que je pensais que j'allais pouvoir faire un, de, la, de la ferme. Là vous voyez je peux pas. Alors c'est pas du tout là où je pouvais aller. Bon, pas très grave. En fait c'est pas c'est pas des terrains exploitables, tu vois. Bon ça, ça nous fait des petites fermes supplémentaires, mais... Là on a un terrain presque exploitable, c'est cool. Ok, ça c'est bien. Donc là, on stockera la nourriture. Donc je vais encore. Alors, vous voyez, là, par exemple, j'en voulais 6, donc je vais continuer à faire des farm plots. Enfin, des farm plots, je me comprends. Merci beaucoup, Dark Matman. Attendez, vous avez subé ou pas Dites-moi, excusez-moi, j'ai un sub de mon cœur. Dark Matman, il y a qui Il y a Krylonid, Oh là là, tout le monde a ce. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je fasse mes, mes plots et après on s'en occupe. Alors. Dark tu déjà été mineur. Alors, il y a qui y a Vicious. Donc, toi, tu seras Vichous, ok Attends. Donc, en, les nains, lui, s'appelle Bum. Alors, je ne vous ai pas dit, mais quand vous cliquez sur les nains. Alors, voilà, voilà le problème. Quand vous cliquez sur un nain, lui, il est en train de creuser. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. T'as ses relations, tu vois. Genre, euh, ils aiment bien, il a une déesse, etc. Euh, ça, c'est la civilisation. Euh, ça, c'est. Il est content de travailler, il aime bien creuser. Ça, c'est sa personnalité, tu vois. Il y a, il y a tout un. Enfin, très, très compliqué. Et ça, c'est. Il a envie de boire de l'alcool. Bon, bref. Donc, lui, on va l'appeler. Au lieu de Boromir euh, Silfontaine, on va l'appeler Bagaman. Bagaman. Bag, bagaman. Ok. Ensuite, on a qui d'autre On va faire tous les nains un par un. Je vais remonter. Attends. Ah, merde, attends, c'est où un peu plus haut. Voilà, c'est là. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on a On a qui on a, euh, on a on a on a... plein. tu seras le spécialiste du bois, d'accord Oui, et plein. J'espère de ne pas en oublier, mais ne vous inquiétez pas. À un moment, on aura suffisamment de gens. Ensuite, toi, tu es quoi Tu es planteur. Un planteur. Il y a Rochi. Il y a Roshi, Tiens, Roshi sera notre. C'est bien. On est en train de faire des plans. On est en train de faire des, des champs. On a qui d'autres Ils sont où les autres Ah, il y a lui là. Donc lui, il est. Il fait quoi Il est maçon. On a qui On a Bagamant. Il est plein. On a MSX. 200 Putain, MSX, ok. Mais vous avez des noms encore plus, plus compliqués que les nains, quoi. On a qui d'autre On a. Là, on a un yak. Voilà. Alors, lui, il est quoi Ah, c'est le, le chef, lui. Le chef, ce sera donc. Dark Batman, encore une fois. Dark Batman. Ok, on a quoi d'autre euh, on a Vichus ou pas Dites-moi un peu euh, Parce que pas à remonter en fait dans mes... Ah mais attends je vais regarder avec ça Est-ce que je peux voir sur mon appli Twitch euh, les gens qui sont sub Ma chaîne mes abonnements Ah non c'est mes abonnements mais c'est pas ma chaîne alors ma chaîne Ah non j'arriverai pas Bon euh, dites moi dites moi il y a qui d'autre Il y a Vichous c'est ça Je l'ai mis Mich Vichous non bichous euh, allez Vichous, tu seras le, 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 le stone crafter, as le, le tailleur de pierre. Veux... Je veux te dire un truc Vishous, tu vas bosser. Hein. Ah t'as déjà un? Non ok. Alors il y a qui d'autre? Mais Astrobin, t'as ta as... ah oui Astro... ah, oui mais bien sûr vous êtes, je le vois si vous êtes abonné, je suis trop bête. Astrobin, Astro tu seras le tailleur de pierre. On a qui d'autre On a euh, Take you. Alors take you. take you, tu seras un chien, ok Take you. ok. On a qui d'autre Crelonidas. Crelonidas, il sera, euh, il sera ce, 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 ce comment s'appelle Ce cochon d'inde. Ça te plaît en vrai hein Vous allez voir que ce cochon d'inde, ça va être un truc. On a ici d'autres, euh, on a Filraen, Filraen, tu seras, alors est-ce que tu veux être ce ver de terre, non <laughs> N'exagérons pas, tu seras ce, ce, cette âne, Filraen, ah merde, il est où Reviens, attends, il se passe quoi là Ah putain, tu viens de naître en plus, c'est fou, tu viens de naître, c'est incroyable Filraen, alors Filraen, ah merde, j'ai cliqué deux fois, fallait pas. Euh, on a aussi Laurief. Laurief. Tu seras cet autre chien. On a Kroga aussi. Kroga. Croga, est-ce que tu peux être cette libellule Non, ah non, c'est un libellule. Ah, tu seras le. Ça te dérange pas d'être le... <laughs> le. Le panneau Kroga Attends, il est où Kroga Je vois plus. Ah, Kroga, oui le petit euh, on a quoi d'autre <laughs> on a pizou 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 tu seras le, le buffle ok je crois qu'on est bon euh, si on a d'autres on les trouvera hein. voilà ok anyway on va aller là donc on va le voir un petit peu continuer à creuser et là en fait on va commencer vous voyez là c'est les terres cultivables donc on va commencer à créer des champs comment on fait des champs on va sur construction c'est un petit peu compliqué. Construction, donc là on peut construire plein de trucs. Des meubles, des routes, des plein de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est workshop. Parce que un champ, c'est une façon de travailler. Donc on peut faire plein de choses encore, un, un bijoutier, un tailleur de pierre, etc. Mais il y a tout ce qui est farming. Et dans farming, il y a euh, un million de trucs, genre euh, pêcheur, etc. Donc là, on va faire un farm plot. C'est-à-dire qu'on va créer une zone qui va être cultiver sous la terre. Et y a dans, dans, puisque tout n'est pas simple, n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire parce que après c'est très intuitif. Mais en gros, si vous êtes le roi de la, roi de la ferme, sachez que les plantes qui poussent à l'intérieur sont différentes des plantes qui poussent à l'extérieur, que certaines plantes ne se plantent qu'en janvier, qu'au enfin, que, que, qu printemps, etc. Mais je vous rassure, dans, cette, dans ce jeu, nous allons utiliser qu'une seule plante, qui en plus, si vous l'utilisez, tout se passera bien et vous n'aurez aucun problème. Donc c'est quand même fantastique. Voilà. Donc là, on continue. Donc là, ce qui est bien, c'est que je leur ai dit, vous allez voir, ils vont venir, je pense, s'ils ne sont pas feignants, ils vont venir cultiver ce champ. À moins qu'il l'aient déjà fait déjà. Je l'ai même pas regardé, j'étais en train de vous parler. Ah oui, normalement, ils l'ont fait. Attends, on va voir. Donc là, il voilà, y a deux nains qui arrivent et ils cultivent comme des ouf. Voilà. Hop, ils cultivent... Se... C'est pas très long, vous voyez, ça va assez vite. Et ensuite, workshop, farming. Non, le houblon ce serait bien, mais, mais dans ma dernière partie j'ai commencé à cultiver des laitues, tu vois. Donc, euh, grâce à des elfes qui étaient passés qui m'ont donné des plantes. Nous les nains, nous avons que des champignons. Donc là, j'attends que tous mes, euh, tout, tout mes farm plots soient bien, bien, euh, comment ça s'appelle Vous voyez, en fait, vous donnez l'ordre, ils agissent. Voilà, donc là, on a nos six plantations qui sont faites. Donc, on va commencer à planter. Vous voyez, en fait, j'ai créé des zones, mais j'aurais pu faire des zones de 1. Mais en fait, on, on, quand, je, quand je vais cliquer sur la zone, ils vont planter quoi Et donc, en fait, on a quatre types de champignons. Mais la seule chose à retenir dans le cadre de ce tuto, c'est plump helmet. Pourquoi C'est quoi le cycle de vie du plump helmet Tu plantes le plump helmet. Le plump helmet, c'est un gros champignon. Ce champignon, tu peux le presser et en faire de l'alcool. Tu récupères les graines et tu replantes du plump helmet. Et tu as, as de plus en plus de graines, tu as de plus en plus de plumes, tu as de plus en plus d'alcool. Et aussi le plein plum pelmet, il se mange à la poêle. Donc vraiment, après, tu as trop de plein plum pelmet, donc t'en manges, t'en bois, c'est la, la fête au village, tout va bien. Euh, ton seul problème à un moment, c'est que t'as pas assez de bois pour faire des barils pour tout remplir. Donc tu plantes des pleins plum pelmet. tu vois, tu claques. Je clique là, plein plum pelmet, je clique là, plein plum pelmet. À un moment, il va me dire, ah, gna, gna, j'ai plus assez de... Donc les... je pense que j'en fais 6 parce que les deux derniers, je plante autre chose, tu vois, tu vois, je plante euh, Dimple Cup, et, tu vois, au hasard. Mais en vrai, à la fin, ce sera que du plein plum pelmet. Merci Ulrice Merci pour ton raid. Donc pendant ce temps, pendant qu'eux ils vont aller planter, tu vois, attends, on va regarder quand même les, les, les nains qui plantent. Là ils sont allés chercher les pleins pelmettes Et là les nains, euh, donc euh, par exemple euh, Dark Matman, là, hop, il se met là et il commence à planter. Et ils, va, ils vont planter partout. Donc là tous les nains ils n'ont rien à faire donc ils sont contents de s'occuper. Lui pendant ce temps il est en train de creuser. Et là c'est une zone dans laquelle on va créer des euh, sections où on va stocker la nourriture. En fait, on va stocker tout ce qu'on a dans notre, dans, notre, dans notre grosse comment ça notre, notre grosse charrette là, mais section par section. Vous allez voir, ça va être très rigolo. Voilà. Donc là, en fait, je vais commencer par faire une jolie section comme ça, voilà, carré. Voilà, et ainsi de suite. Boum. Alors je fais les sections beaucoup plus grosses par rapport à nos besoins. Mais en fait, à la fin, on va avoir un problème de, de surproduction. Donc il faut toujours... Enfin, on n'est pas obligé de creuser comme des malades, mais ce n'est pas inutile de, euh, de, euh, de, de, de prévoir large, on va dire. L'autre problème que les peuvent en avoir rapidement marre de bouffer du plein plum plumpelbest. Plum Alors ça, c'est vrai. Mais euh, on n'en est pas là. Mais je pense que euh, au moment où... T'as une colonie qui en a marre de manger et de boire tout le temps du plein pelmet. Euh, tu connais suffisamment le jeu pour pouvoir gérer. Voilà. Oui, oui, mais non, mais non, alors Tu je, je, t'as pas vu Alors, il y a quelqu'un qui dit il y a un problème d'alcool. Al alors sachez que moi, dans ma dernière partie, j'ai fait deux tavernes qui étaient bourrées d'alcool et elles étaient euh, gravées, et tout magnifiques, en permanence, j'avais des immigrants. C'est-à-dire, tout le monde, tous les humains, tous les ils disaient Ah putain, trop bien, je m'installe. Donc, je peux dire, ça picolait grave et euh, j'avais <laughs> pas un problème de surproduction d'alcool. Pourquoi il y a une double route qui communique pas Celle-là, là, là Parce qu'en fait, je suis en train de creuser des. Euh... Je suis en train de creuser. Ouais, c'est vrai que c'est pas con, j'aurais communiqué. C'est une bonne idée. T'es un génie. Donc on attend qu'il y ait une salle qui soit faite. Alors vous voyez, là, toutes mes euh, constructions font un étage de haut. Mais à terme, euh, les étages seront... Euh, enfin, on peut imaginer une pièce qui a plusieurs étages de haut. Tu vois. Donc, euh... bah, en fait, c'est super dur, parce que là, je vous explique le concept très lentement. Mais en vrai, quand tu commences le jeu, t'as plein de boutons. Tu sais quoi Là, là par exemple, j'ai pas utilisé le bouton vert encore. Je sais pas encore expliquer ce que c'est. Donc euh, là, j'aimerais bien qu'il creuse ces deux-là. Tu vois, ça, ça me stresse quand il creuse pas tout. Ah putain, il se passe quoi Donc là, il y a. Alors là, ça c'est intéressant. On a notre chien qui est en train de se battre avec une loutre. Est-ce qu'on peut la voir la loutre Vous Voyez, il y a des petites traces de. C'est quoi Ouais, dis donc, c'est du sang de chien. Il est où elle est où la loutre et le chien Ah, on a trouvé un saphir. C'est un sympa. Alors, on va continuer. Là, on en est où là Est-ce que ça, ça creuse ou pas Là, voilà, très bien. Ah, allez, on y va, c'est parti. Il est où le maniou C'est quoi le magno Take you. Tu la loutre Le jeu n'est pas, pas difficile, mais... Euh mais oui, il y a beaucoup de. Enfin... Mais non, mais pourquoi il va là Gars, va pas là J'ai envie que tu creuses là, là. J'ai envie que tu creuses ces deux-là. Non, c'est pas grave. Attendons. Par contre, là, on est à moitié de, 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 du printemps. Il bon. n'y a pas moyen de mettre des priorités sur les tâches Tout à fait, il y, y a des moyens. Mais je n'ai pas trop envie de vous expliquer maintenant parce que ce n'est pas important pour le moment. C'est quoi les grosses pierres partout Et bien, en fait, quand tu creuses une galerie. Ben forcément les pierres elles sont elles restent là. Alors vous voyez qu'elles sont c'est pas cool d'avoir des pierres là. Mais ce qu'on va faire c'est que ces pierres, on va les stocker dans un endroit. Et ces pierres, on va les tailler, on va faire des statues, des figurines, des 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 euh, des, euh, des, des cercueils, euh, des étagères, des bibliothèques, des portes. En fait, la seule chose qu'on peut pas faire avec des pierres, c'est des lits. C'est pour ça qu'il va nous falloir du bois parce que on, notre objectif c'est d'avoir un lit par par nain quoi. Pourquoi c'est le seul à creuser? Alors, euh, parce que en fait quand tu commences, tu n'as qu'un seul pic. <laughs> Donc il n'y a qu'un seul qui peut creuser. Mais si j'avais deux nains, euh, enfin si j'avais deux pics, il y aurait deux nains qui creuseraient. Là les autres ils s'emmerdent un peu pour le moment, mais qui profitent bien parce qu'à un moment on va on va un peu se battre et ça va être un peu compliqué. Il y a du saphir encore. Non, c'est du. Euh... Si c'est du saphir, putain, c'est cool ça. qu'il finisse son travail au lieu de se creuser dans n'importe quel sens. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Les combats se font tout seuls. Oui, les combats se font tout seuls. Ce n'est pas comme dans Rimworld. Euh, alors, modulo quelque chose, c'est que si par exemple, imaginons que ton, ton creuseur creuse là, et il tombe euh, sur une créature, ça m'est arrivé hier, euh, une créature que c'est un espèce d'énorme euh, serpent euh, aveugle, blanc, albinos euh, des, des ténèbres. Ben, le serpent il a attaqué euh, mon nain et il l'a tué. Et, et moi, j'avais un problème c'est que je devais récupérer la dépouille du nain pour le mettre dans un, dans un coffre. Donc, j'ai envoyé ma milice en disant <coughs> Va tuer le serpent. Parce que j'en ai pas encore parlé, maman, il va falloir créer sa milice. Voilà. Au début, la milice, c'est un peu mignon parce que tu prends des nains qui sont pas expérimentés ils sont habillés n'importe comment, tu vois. Mais, euh, mais après, tu fais tes propres armes tu fais des armes en adamantium tu vas les… Là, tu vois. Alors là, on a notre premier endroit qui est libre. Donc là, souvenez-vous, les, les, les stockpiles, je clique dessus. Et comme vous voyez, alors je vais choisir une zone que j'ai commencé à creuser. Attends, on va mettre un petit. Voilà. Je choisis cette zone. Et là, tout ça, je vais stocker quelque chose. Et là, je peux stocker tout. Mais on a dit que c'était une mauvaise idée. Donc ne jamais le faire. Okay. Je pourrais stocker des corps, mais ça ne sert à rien, j'ai déjà fait. Ou je pourrais stocker des, euh, de, du refuse, donc de la poubelle, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on a déjà fait, où je pourrais rien stocker, là c'est débile. Et l'idée, c'est que tout le reste, en fait, on va le stocker là. Et on va faire une salle par type de stockage en, en faisant les priorités. La priorité pour le moment, c'est qu'on a coupé du bois dehors. Il, est, il va peut-être prendre la pluie. Donc on fait une zone de stockage de bois. Donc là, vous allez voir, maintenant, ils vont commencer à arriver à déposer le bois là. Parce qu'ils aiment travailler finalement. J'aurais bien aimé qu'il. Ah, quand même Donc là, il y a une nouvelle zone. Dans cette zone-là, on va stocker de la pierre. Parce que comme vous avez vu, on a beaucoup de pierre. On a besoin de stocker de la pierre. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas ultra optimisé pour les joueurs euh, experts. Mais c'est pour vous donner une idée. Mais c'est bien en fait parce que ce qui va se passer, c'est que. Donc le bois on l'a coupé, la pierre on l'a extraite, mais après dans notre char, notre chariot du départ, on a plein de trucs utiles. Et c'est pour ça qu'on va devoir les décharger, les meubles, les produits finis, tout ça. Et on va les mettre, on va les stocker là pour pouvoir mieux les organiser par la suite. Donc là, vous voyez, on a des gemmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va c'est intéressant, on va stocker créer une zone pour les gemmes. Voilà, attends, j'aime, voilà, parfait. Donc là, en fait, il y a aussi des nains qui vont commencer à mettre les gemmes là. Ça va se faire petit à petit. Voilà. Ensuite, euh, là, je vais faire une dernière. Donc là, on va commencer les, les zones un peu normales. On va peut-être commencer par la nourriture aussi, ce serait peut-être pas bête. Attends, on va faire. On va faire les choses. Par exemple, le, tout ce qui est euh, vêtements, enfin plutôt tissu. Et là, comme il a continué à faire ça, on va continuer à faire notre, notre méthode de stockage. Pas extraordinaire, mais pas débile non plus. Et on va fonctionner par. Euh, attends, hop, voilà. Voilà, hop, hop, et hop. Et donc, voilà. Euh, les, les, les nains prennent uniquement des vacances quand ils n'ont pas d'alcool. Ouais, non, non, mais ça bosse tout le temps. Il bosse... enfin, je... Là, on va faire un système où il n'y aura pas de problème d'alcool. Il faut quand même surveiller, on a 50 de food, 50 de drink, mais ça, ça doit aller. De toute façon, il y a une rivière pas loin, notre pêcheur. Euh... Notre pêcheur va quand même s'activer un peu. Quoi. Alors ça ne sert à rien, par exemple, pour l'instant, de penser à... Enfin, ils vont dormir par terre les nains pour le début. Voilà, ils ne sont pas très... Euh... Allez, petit nain, là, j'ai envie que tu enlèves ça, ça, ça. Tu vois Les mises de tueurs sur entrée à l'âge de 15 ans. Plus, ouais. Alors, un nain syndicaliste, est-ce qu'il y en a En fait, il y a des nains qui en ont marre de travailler, ça, c'est sûr. Mais bizarrement, en fait, il y a surtout des nains qui ont envie de travailler. C'est-à-dire que quand tu as un nain qui est, euh, un, par exemple, un tailleur de pierre. Qui taille beaucoup en fait. Déjà, un nain qui va commencer à tailler de, la, tailler de la pierre et tu le dis, tu le fais, euh, tu, on a un million de pierres, tu vas me faire un million de figurines non-stop, jour et nuit, tu fais que ça. De temps en temps, il va créer des figurines magnifiques, mais aussi euh, s'il travaille pas, le travail va, le manquer, va lui manquer, Tu vois, il va se dire, euh, putain, mais euh, j'ai besoin de travailler, tu vois. Donc, euh, il, est où, il est passé où mon nain creuseur là hein ah, il, est, il est allé faire l'escalier. Allez, vas-y, vas-y, celui-là. Non Putain, cet enfer euh, Non, c'est pas que. Après, les nains, ils ont, aussi... enfin, ils ont des besoins. Euh, par exemple, euh, attends, tu vois, je vais prendre lui-là Roshi. Roshi, il a besoin d'acheter des objets il a envie d'être avec sa famille il a besoin de prier. Donc, pour l'instant, c'est pas très grave, mais il aimerait bien. Tu vois, il est content de travailler, il est content de travailler. Il a bu un peu de bière, tu vois. Il, pour l'instant, on a, on a quand même un sursis de 1-2 ans, tu vois, où euh, ils ne vont pas t'exploser te, dans les mains, les nains. Mais si tu as un nain qui a envie de prier, il faut qu'il prie, quoi. Sinon, il va être de plus en plus malheureux. Alors, pour le coup, la retraite à 128 ans, c'est sûr que les nains, ils sont. Euh... Mais après, là, on a des nains, mais vous allez voir que c'est pas impossible qu'on ait. Euh... Qu'on ait. Alors, est... je vais vous parler d'autre chose, mais c'est pas très grave. Mais ce n'est pas, que... pas impossible qu'on ait une majorité d'humains hein, à un moment. Parce qu'on a, euh... a fait des librairies, des temples, des, des... des tavernes, et ils sont trop contents d'être là. Alors, en fait, quand il y a un, un sol cultivable. C'est un peu relou parce qu'au bout d'un moment il y a de la moisissure et des champignons. Donc, on va devoir mettre du parquet à un moment, mais bon c'est pas très grave. Ouais il fait chier, hein. il fait tout sauf les. En fait il... ah voilà il va me punir. Alors attends on continue. Donc là on va stocker troisième, cinquième salle de stockage. On va accepter donc là les coins c'est un peu. Tiens on va mettre le ah, bah, on va mettre la food. On va, mettre, on va mettre la nourriture plutôt là, ça sera plus proche de, de l'escalier. On va mettre les euh, les, les finished goods, c'est-à-dire euh, les amulettes, les boucles d'oreilles. Euh, voilà. Puis si possible, on va pas stocker là. La... Oh là là, tu te fous de ma gueule là. Voilà. Ah, ok. Je mets pause parce qu'on va on va on va mettre donc là, on va mettre la nourriture temporairement. Parce que la nourriture, on va surtout la stocker dans des tavernes, dans des dans des halls de des grands halls où on dîne. Là, on va stocker. Euh Alors, qu'est-ce que j'ai J'ai euh, pas mis. Euh, pas, pas mis l'armure encore. Bon, là, on peut, on peut tranquillement euh, faire toutes les zones une par une. Hein, ça va être cool parce qu'on n'est pas. Euh si, si, si je ne voulais, si voulais pas faire un tuto, ce que j'aurais fait, c'est que tout le reste, je les aurais mis dans un seul endroit. Mais euh, donc là, j'ai de l'armure, là, j'ai des barres. Mais là, je vais essayer quand même de faire quelque chose qui est explicite. Donc là, on va continuer et faire encore la même, euh, la même technique. Comme il a, il a décidé de me troller, je vais faire ça un par un. Comme ça, il, a, il, il va arrêter de me faire les, des, petits, des petits trucs dans les coins. On peut, créer tout, tout à fait. on peut tout à fait euh, mélanger des. Enfin, moi, dans ma partie précédente, vous remontez sur mes. Euh, dans ma partie précédente, j'ai fait une, une très belle taverne. Vous, vous verrez, euh, quand, quand on fait des, be des, des belles tavernes, il n'y avait, avait que des humains dans mes tavernes. Tu vois. Et à un moment, les humains, ils disent écoutez, c'est trop bien chez vous, je veux, je veux rester chez vous. Voilà. Bon, c'est surtout des poètes et des, euh, et des bardes, mais. Euh, voilà, hop, très bien. Ensuite. Donc là, on va. Attends, tu vas continuer. Tu as l'air de, de, de bien comprendre comment ça marche. Ça y est. Donc hop, on lui fait un petit. Euh, je l'en fais deux là. Voilà. Voilà. Oh, tu sais quoi Tu vas tout faire. Voilà. Et donc ensuite là, on va stocker. Donc alors attendez, hop, on va stocker le reste. Euh, boum boum. Donc. On a mis les barres. Euh, pou, 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 euh, on va mettre les, euh, les feuilles de papier. On va mettre le cuir d'abord. Ah, je, je crois pas que j'ai un truc fourniture. Alors on va faire, on va faire la, les bubbles aussi. Il est où mon un mineur Donc là c'est bien parce que le, les barils d'alcool étant là, ils peuvent se nourrir là. Voilà. Allez. Ouais, les couloirs qui communiquent pas entre eux, ça vous fait stresser. Allez, voilà. Ça va mieux J'ai l'impression que ça vous stresse, là. Il y a des mouches et euh, c'est bien d'avoir un chat, tu vois. Parce que si tu pas de chat, par exemple, tu vois, je parlais de la cat splatoon tout à l'heure, mais si tu zéro chat, il y a des rats. Si tu des rats, tu des problèmes. Mais même des lézards, tu vois. Oh, c'est quoi ah, l'hématite En fait, si vous savez ce que vous faites... Ah, mais pourquoi il n'y a pas ça aussi Voilà. Par contre, là, c'est du troll. Ça, ça, vraiment... Il va boire un coup, voilà, il boit. le bloup, 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 bloup. swarm of fly Remarque, on a pris un endroit où il faisait assez chaud. Donc peut-être, on va voir... Tout à l'heure j'ai eu des éléphants, trop bien. Tu veux être le chat, mais attends. Moi si je, si je vois le chat, je le dis. Alors attends, là on a un autre, nouveau truc. On va mettre les meubles. Eh bien, euh, je dis, il met du temps, mais en fait non, c'est normal. Attends. Voilà. Là on va mettre euh, qu'est-ce qu'il nous reste Accept alors il nous reste quoi euh, Les weapons. Je crois que les... Je ne sais pas si j'ai mis les weapons quelque part. Weapon. Ok. On est bien. Vous voyez tous les tous les meubles. Attends, on va faire ça. Ok. Là, je vais mettre... Il nous reste quoi On va mettre. Donc là, on va tout faire, tout ce qu'on n'a pas mis. On met les munitions. Les animaux, en fait, c'est un vrai truc parce que euh, on, va, on va, capturer plein de petits animaux, vous notamment des hamsters. Il y a vraiment euh, un truc avec les hamsters, tu vois. Ah là je vais faire une bêtise. Allez go. Oh, on a quelques armes quand même, ça fait plaisir. Il faut beaucoup de place pour les, toutes les pierres. Non, parce qu'en en fait, c'est pas très grave si as trop de pierres. Parce qu'en vrai, les pierres, on va les transformer rapidement. En fait, tu vas avoir des tables en pierre, des chaises en pierre. Tout ce que tu as des pierres là, ça va devenir dire du mobilier. Euh... Donc, là, c'est les munitions. Ok. Alors, attends. On va continuer. Pour l'instant, honnêtement, avec ce tuto, il n'a l'air pas trop dur ce jeu, en vrai. Si vous le suivez pas à pas. Euh, attends, je vais mettre quoi Allez, Je vois qu'il y a un chat au plus, je vais, je vais donner s'il n'a pas de nom. Alors, les animaux, c'est parti. Ensuite, ce chat-là. Il n'a pas de nom, donc on va te l'appeler Whippy, d'accord Voilà. Il n'y a pas de musique. Ah, si, il y a de la musique, je pas depuis tout à l'heure. Ils sont en train de, ils ont presque vidé tout là. Donc là, on va faire un truc, c'est qu'on va déman démanteler le wagon. Et en fait, le, le, le wagon, il va, il va, se transformer en, en, en bois. Ce qui est cool. Ça donne, ça donne que trois bois, mais c'est bien quand même. Là, ils sont où les bois Ils sont là. <laughs> ok. Attends, on y est presque. Hein. Donc ça, c'est toute la partie où tu commences en fait à la fois décharger. Ce qui est normal, tu arrives, tu décharges, mais de façon un peu organisée quand même. Donc après, on a quoi Après les animaux, je, je crois que j'ai fait l'armure, les barres, ça, les coins, on s'en fout. Euh, le cure Je crois qu'il ne reste plus que les coins, j'en suis pas certain. Mais je vais vérifier, attends, j'ai quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14. Et moi là en quoi j'ai combien 13, 14 si je fais euh, ça. Ok, fais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me manque un. Hein, le, cu le cuir. Il manque le cuir. Ah, non, non, oh là, là reviens toi. Reviens. <laughs> Il manque le cuir. Les sheets, je crois que je les ai faits l'ai pas fait Ici Bon, oh, c'est parfait. Du coup. Euh... Bon, okay, parfait. On va mettre les feuilles, les feuilles et, le, et le cuir et on est bon. J'ai comp compté le hall. Ah, peut-être. J'ai fait le cuir Vous le voyez Attends. Ah oui, le cuir est là. Donc, il ne reste plus que les, les feuilles. Ah, j'ai compté par erreur. Désolé. Est-ce que. Il vous plaît le jeu ou pas Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre. Euh, on va mettre donc les hits Et là, on va mettre. Euh, on va mettre en fait une, une autre réserve pour le bois. Parce qu'en fait, euh, la pierre, on en aura toujours, mais le bois, c'est bien de le stocker. Ensuite on a cette zone et dans cette zone là on va créer les magasins les workshops c'est-à-dire toute l'industrie qui va transformer ce bois ces pierres cette nourriture en, en objets les objets qui vont nous rendre alors c'est quoi les quatre objectifs survivre avec la nourriture et l'eau enfin, survivre avec la nourriture et l'eau donc deux objectifs créer des biens de consommation qui vont nous rendre heureux mais qui vont aussi qu'on va vendre contre d'autres biens et surtout en fait en vendant on va rayonner, c'est-à-dire les gens vont dire Waouh Mais euh, ils fabriquent des choses trop bien dans cette, cette forteresse, j'ai envie d'y aller. Ce qui fait qu'on va avoir des immigrants. Et enfin, le dernier point, on va créer des biens de consommation et de confort, des chaises, des tables, des lits qui vont rendre nos nains heureux. Donc la première chose que je vais faire, c'est euh, faire un escalier qui descend. Voilà, en plus de l'escalier qu'on a actuellement. Ensuite, on va faire une petite pièce, voilà, où on puisse respirer un peu. Et on va faire un... Un système de, de workshop comme je viens de le faire, mais un peu différemment parce que parfois je sais pas comment faire les choses. <laughs> Et ce que j'ai fait, c'est que euh, alors c'est vraiment pas opti, mais j'ai quand même mis les workshops pas trop loin de là où on stocke euh... ah putain c'est pas bon ce que j'ai fait mais c'est pas grave de là où on stocke les euh, les objets. Après on va on va un peu les les opti aussi. Alors vous allez voir. Je fais un petit truc là, mais c'est pas aussi bien que je voudrais. Pas très grave. Excusez-moi. Attends, je fais des trucs dans ma tête. Ok, on va commencer par ça. Ah, l'été arrive. Donc, qui dit été, dit nouvelle saison, dit on peut planter de nouvelles choses. Dès qu'il y, qu y a une nouvelle saison, vous réfléchissez pas à vous planter. Donc on peut pas planter de plein ah, on a plus de, de, on a plus de C'est pas grave. Euh, si, vous, si vous en avez plus, c'est pas que c'est la fin du monde. C'est qu'en fait euh, ils sont dans des barils en train d'être cultivés. Bon là on en a plus. Okay. Mais disons dans votre tête dites-vous nouvelle saison égale, c'est l'heure de planter. Qu'est-ce qu'il faut Il... Il est où mon. Vous voyez c'est en train de se remplir. C'est cool quand même. Le jeu était gratuit jusqu'à présent. Tu peux nommer un manager, tout à fait. On peut nommer un manager, on n'y est pas encore, mais on le fera un moment. Mais pour nommer un manager ou un shérif ou je sais pas quoi, pourquoi, pourquoi je peux pas Ah mais attends, pourquoi il peut pas Il est où mon mineur Où es-tu es mineur Il est -être en train de dormir, hein, cela dit. Il est en train de planter des, il plante. Voilà. Alors exemple, votre mineur, vous avez envie qu'il mine tout le temps, qu'il n'est pas en train de planter pour faire chier. En fait, vous allez dans l'abord, le petit marteau. Ok, et là, tu, tu vois il y a un pic, un pic axe, et là tu cliques là, ça devient rouge, ça veut dire, gars tu fais que miner, et quand tu mines pas tu dors, il fera pas autre chose. Alors on descend, par contre je suis un peu inquiet parce qu'il mine pas, je me demande si je, je, me suis pas, je me suis pas emmêlé les pinceaux dans l'escalier le, dans le, là, ah non c'est bon, ok c'est bon. Alors, on parle, on parle dans le chat du prix. Je vais vous montrer le jeu. Le jeu gratuit à quoi il ressemble, d'accord Le jeu gratuit à quoi il ressemblait. Jusqu'au 6 décembre 2022. Ok, vous êtes prêts Ça va piquer. Hein. Voilà. Le jeu ressemblait à ça. Un petit peu compliqué quand même. Et il marchait pas à la souris. <laughs> voilà. Donc il vaut mieux quand même avoir la version... Euh version Steam je pense personnellement je... c'est un peu difficile d'accès la ah merde j'ai mis la pause alors qu'est ce qui se passe ah donc alors ça c'est assez marrant euh, on a un on a un chat qui a adopté un nain vous voyez ce que je veux dire attends on va voir ça c'est marrant alors il est où le chat Oh, c'est quoi ça Des morceaux de... Ah, ils pêchent des poissons, les chats. D'accord. Ok, bon, anyway. C'est mignon. A... C'est-à-dire que là, le chat, ils ont créé un lien entre le chat et le nain. Ok. Attends, je vais revenir un peu là, par contre. Euh, on a encore... Alors là, il dorment. Ok. Lungfish c'est quoi déjà Je ne sais pas ce que c'est. On va, on va... Comme il s'ennuie un peu, là, je vais... On va faire ça, voilà. On va couper un arbre, attends. Tout faire ça. Coupé par le tronc, c'est plus, plus simple. Et on va peut-être aussi ramasser les concombres, tout ça, maintenant que c'est l'hiver, l'été, je veux dire. Donc, pour ramasser des plantes, vous appuyez sur Plantes, et je veux tout ramasser. Vous sélectionnez une grande zone, et il ramasse. Voilà. Et il stocke ça dans la, dans la nourriture, normalement, comme là, ils ont stocké des trucs. Voilà. Il n'y a pas du tout de traction française, et à mon avis, elle est infaisable. Donc là, euh, dans cette zone-là, on va mettre... Euh, on va, donc, on va cliquer sur Workshop Farming et on va cliquer sur le deuxième truc très important c'est le style, c'est-à-dire c'est une brasserie pour faire de l'alcool. Donc, en fait, vous cliquez là et quand vous, quand, vous construisez un, quand vous construisez un un élément, soit vous pouvez dire fais, fais avec les moyens du bord, gars, te fais pas chier, prends le truc le plus proche, soit tu décides en quoi ça va être. Donc là, par exemple, on va le faire en, en, en rocher, en sel, en sel, de roche, parce que c'est plus simple. L'avantage voilà. graphique, c'est que ça permet une diversité incroyable. C'était très galère, oui, bien sûr. Pour faire la trade à faire, ah, il, Zera, il joue, c'est trop bien. Alors là, on va. Alors, donc là, c'est déjà construit et vous remarquez qu'il est à la couleur du rocher de sel. Donc là, je vais dire, ah merde, on n'a pas de plante. Bon, on va faire extra de fond de plante pour voir. C'est bizarre qu'on n'ait pas de plante, mais bon, peu importe. Euh, et là, on va faire un, un charpentier. Très important. Donc c'est dans Workshop, Carpenter. Le charpentier, qui va faire en... On va essayer de garder le bois hein, quand même. En booksides, voilà, ce sera très bien. En fait, le charpentier, il va construire des lits. Ça va être son, ça va être son boulot principal. Voilà. Et là... Vous verrez que j'ai mis une petite zone à côté du charpentier, c'est quoi C'est qu'on va faire une sous-zone de stockage de bois. Ça veut dire que quand il y en a un nain, il a rien à faire, il va foutre du bois derrière le charpentier, comme ça le charpentier, quand il a besoin de bois, il va juste chercher dans sa remise. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a Dark Batman qui est en train de construire la charpente, l'atelier de charpente. Là, c'est terminé. Et tout de suite, je vais lui dire Gars, j'ai besoin de lit. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose, des chaises, je réfléchis Non. En fait, il y a besoin de lits essentiellement. Donc vas-y. Et donc c'est qui qui s'y met C'est Zeppelin. Attends, c'est quoi ça Alors, Astrobine et MSX255 se sont mariés. Bravo Ça me fait plaisir Congratulations, peut-être vous allez avoir des enfants. OK. Ah, j'ai plus aucune. Ah oui, j'ai pas, de... pas de graines, c'est normal. Je crois, j'espère. Sinon, je vais avoir un problème d'eau et de... de drink, mais bon. Ah, attends, il a. Attends, fait une bêtise. il a aussi besoin de faire des... des tonneaux, bien sûr. Donc là, on va faire c'est notre deuxième atelier. Ça va être un atelier de taille de pierre Stonewalker. Voilà. Et lui, le pauvre, <laughs> je peux te dire un truc, il va taffer, mais il, il, il va tout refaire le mobilier. Tu vois Parce qu'en fait, la pierre, c'est le matériau le, le moins cher quand tu creuses une montagne. <laughs> c'est euh, intéressant à dire. Hein et donc, et, évidemment, je vais stocker juste en dessous. Je stocke voilà, de la pierre, de la pierre. Alors attends, voilà. Donc là, en plus, on a un stonecrafter. On va lui demander j'ai besoin que tu fasses des hôtels. Mais tu vas en faire que un. J'ai besoin que tu fasses euh, une librairie. J'ai besoin que tu fasses au moins un cercueil. J'ai besoin que tu fasses des portes, mais ça euh, à max, à volonté. Donc vous voyez, en fait, j'ai euh, cliqué là, là, pour dire quand tu rien à faire, tu fais des portes. Sinon, ça, c'est encore un seul exemplaire. Euh, J'ai besoin que tu fasses euh, des status. des statuts c'est bien, mais une table, ça c'est très important. Là j'en veux plein et un trône, j'en veux bien. Ça c'est pas mal. Allez, ça continue. On va même continuer à creuser là un peu. Voilà, ouais, on va plutôt faire ça là. Je suis en train de faire des, des plans dans ma tête là, et là on commence à. Utiliser Nona. Qu'est-ce qu'il fait lui là Pourquoi il ne bouge plus là, Il dort. <laughs> il est dans un coin, il a trop creusé le pauvre. T'inquiète, tu vas avoir ton lit bientôt là. On est en train de faire des ligas. Normalement, techniquement, on devrait avoir dans nos meubles. On a, on a déjà trois lits qui ont été faits en bois de carambole D'où la traçabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Pas trop, non. Non. Elysium tu l'as déjà vu. Ouais. Et le passager de Non. C'est qui notre tailleur de pierre C'est MSX qui vient de se marier récemment. Alors dans ce jeu, les femmes, les femmes naines ont des barbes. Il euh, y a un arbre, ok. Donc là en fait, je voulais faire, je vais faire des petits, petits endroits, des, des endroits où on va créer de la nourriture. Donc notamment, on va commencer à, y a, comme il y a une rivière pas loin, on va faire un, on va faire un, un, une poissonnerie, voilà ce qui va nous, ré nous régler un peu le problème de la nourriture euh, tant qu'il y aura de l'eau et de des poissons. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a de beau en farming Un boucher, ça pourrait être intéressant. Euh, un fermier, c'est pas mal aussi. Euh, on va faire un boucher, c'est bien. C est, c est, toutefois, y a un... Alors, moi, je ne tue pas les animaux. Donc, ce sera surtout un boucher au cas où il y a un animal qui meurt. Tu vois. Et le boucher aussi, il peut faire un truc, c'est qu'il peut capturer des animaux qu'on Ah oui, attends, on va faire un truc. Il peut capturer des animaux. C'est intéressant. Alors, attends. Euh, workshop. On va faire, attends, Clothing Farming. Kitchen Farmer, on va faire. Kitchen, c'est pas ultra utile pour le moment. Mais on la mettra là, quand même. Quand tu tues un truc dans des... des, des il va manquer de là où il vient. Si 200 gobelins viennent de t'emmerder, des clics leur capital va drop. Où exactement. Mais tu peux même... Euh, Enfin, c'est un vrai monde. Euh, un gobelin qui est là, c'est un gobelin qui va manquer quelque part. C'est un délire. Hein. Euh... Donc là, en fait, là, je vais faire un atelier de taille de gemmes. En attendant, parce qu'on est quand même la moitié à la mi-été, Et euh, la caravane des nains va arriver. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est leur mettre plein la vue. Et donc là, on va stocker des gemmes. Pour que ça aille plus, plus rapidement. Ouf. Oh là là. Alors, des migrants. Des migrants sont arrivés. Donc notre population va augmenter. 9. Bon pas beaucoup. Deux migrants. Mais c'est bien parce que tu vois, on a besoin de mains. Et là, on va faire une petite... Euh, une petite euh, farming, une petite euh, kitchen. Voilà. Voilà. Alors là, notre atelier est fait. Je vais dire s'il te plaît, coupe des gemmes. Et quand tu peux pas tu polis des pierres. Donc on aura des belles pierres polies et tu fais ça toute la vie. Voilà. Donc là, c'est un atelier de création de, de petits bibelots. Et là, pareil, on va faire autre chose, on va faire un workshop de crafting. Donc le crafting, c'est pour faire des petits bibelots à partir de la pierre. Donc ce qui est bien, c'est qu'on fait des bibelots qui sont utiles, comme des, euh, des mugs, euh, des dés pour s'amuser. Mais on peut avoir un... Salut Ben, oh ben Ah Ben Tiens, Ben. Euh, tu seras tu seras un migrant Ah, il y a un Honey Badger qui est en train de se battre. Ils sont mes migrants. Faut que je trouve un migrant qui est pas de nom. Ah, bah tiens, on va faire ça. Alors. Tiens, tu seras le pêcheur, Ben. Tu t'es en train de pêcher. Boum. Oh putain, c'est quoi ça des, des, Tu manges des moules C'est quoi ça <laughs> tu as mangé un hamster ou... Ah non, c'est le chat qui a mangé un hamster. Ah oui, parce que c'est le chat du pêcheur. Et donc, tu as un chat. Et ton chat, il va s'appeler comment euh, Tu vas t'appeler Sicilium. Tiens, Sicilium. Tu seras Sicilium. Attends, c'est bien Sicilium. Silicium. Tu seras le chat de Ben. Ok Alors, En plus, c'est le chat qui a adopté Ben. Ça, c'est un... pas n'importe quoi. Donc, Ben, il est là-haut, vous voyez. Donc, je retourne quand même à mes, à mes, à mes, à mes oignons. Attends, là, il n'y a pas besoin que ça cuisine. Lui, il est, il est déjà en train de s'occuper du poisson. Ce qui fait que ça va augmenter notre nourriture. Là, est-ce qu'on peut. Ah, voilà. Donc là, on a, on a extrait nos plumps. On va pouvoir commencer à faire de la bière. On a des barrels. Tout va bien. La production est en place. Ça fait plaisir. J'attends que mon craft soit fini. Et ensuite, on va creuser nos chambres à coucher. Alors ensuite. Euh, donc là, mais là vous voyez la population elle est montée à 12 on va... Donc là, qu'est-ce qu'on va créer On va créer... On va créer... Euh... on va créer des... Euh... Un dé euh, On va créer... Toujours un rocher hein euh... deux, petites, deux petites boucles d'oreilles en... Ah non bon. On va plutôt faire des objets utiles non <laughs> pas que les boucles d'oreilles ne soient pas utiles hein. euh... Un petit mug Voilà, c'est bien un petit jug, vous voyez ce que c'est un jug euh, Il me faut aussi un rocher. J'ai besoin de quoi Un sceptre, des scroll rollers, c'est très bien. Euh, un des petits jouets, c'est pour les, les futurs enfants de, de nos mariés là. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a pas grand chose d'autre. Ben du coup, il va se spécialiser dans. Ah tiens, des petits pots, c'est mignon aussi. Et euh, il va faire des. Sa spécialité ce sera de faire des amulettes. Voilà. Ça, ça pèse pas lourd. Pourquoi Parce que, en fait, le marchand, quand il va venir, il va falloir lui vendre nos biens. Mais euh, nos biens, tu peux les vendre euh, que. Attends, je, je, je Félix, j'ai pas un mail parce que je stream depuis longtemps. Vous savez, il y a le talk du dimanche soir. Euh, ok. Bon, il n'y aura pas le talk du dimanche soir. Ça tombe bien. Donc, en fait, euh, le marchand, il va venir. Alors, il y a un marchand qui va venir. Ça, il ne me donne pas de l'or, il n'y a pas d'or. Donc c'est le principe de, du trade. Donc je vais lui dire j'ai besoin d'épée, de casse, tout ça, et je te donne des amulettes que j'ai faites. Mais en fait, si j'avais fait par exemple des statues en métal, <laughs> le problème c'est que le marchand, il ne peut pas prendre des objets qui sont trop encombrants. Il peut en prendre un, tu vois, mais pas de... il a une capacité. Donc il vaut mieux faire des objets qui sont petits, légers, mais euh, qui, que tu peux vendre. Donc l'idéal, c'est les pierres taillées. Mais voilà. Donc ensuite, nous allons descendre dans l'étage inférieur. Et là, nous allons faire euh, quelque chose que ma femme n'aime pas du tout. C'est-à-dire, on va faire des, euh, un dortoir de première classe et un dortoir de deuxième classe. Donc là, il y aura le dortoir commun pour tout le monde. Et là, il y aura les chambres à coucher ultra stylées. Tu vois <laughs> Donc, il va y avoir, comme on a quelques lits là, il y aura les chambres à coucher ultra stylées. Ah voilà. Et ensuite, on va descendre encore plus bas pour faire d'autres choses. Voilà. Non, Wipi, c'était Wipi Non, mais non. Ah non alors, attends. On, on, va faire, on va faire le point sur les subs. Euh, C'est qui, donc euh, Bag Lolor, tiens. Lolor, il est en train de faire... <laughs> Lolor chez Bakitem, était en train de faire un, ouais, en train de faire un, 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 un tonneau le lore, et donc on va t'appeler comment euh, wipi non, araignée, tiens. Araignée, t'es sub Araignée, t'es euh, un... Tu fabriques des tonneaux, d'accord Araignée du soir, tiens. Ah, reviens. Euh, t'es un homme, t'as 23 ans, ok voilà. Et t'as personnalité, bonne capacité analytique, et tu sais t'exprimer bien, mais mauvaise mémoire, pas trop beaucoup de patience, très mauvaise... Euh voilà. Et dans ta tête, c'est quoi Attends, les pensées enfin, Tu penses à rien pour le moment. <laughs> Ensuite, on a qui d'autre On a plein. Alors, on a un coupeur de bois qui vient d'arriver. Tu coupes du bois. Alors, on a qui d'autre On a le pigmentarium. Très bien. Le pigmentarium. Tu as 58 ans, d'accord Tu as 58 ans. Tu as 8, ans, 8 enfants et 2 amants. Ok, j'espère que ça va quand même. Hein <laughs> Et euh... <laughs> tu es impatiente. Et en ce moment, tu as, as rencontré un enfant et tu as, as ressenti de la tendresse. C'est beau. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en, en, en sub qu'on peut, hein, peut mettre Astrobin, Ben, Roshi, Dark Madman Alors on a un paysan. Qui aura l'honneur d'être un paysan C'est euh... la chouette Orto, non ah, Attends, qui a cevé Evile Troupa. Evile Troupa, tu es une femme de 25 ans. Tu es une paysante. Les villes troupa. Et euh, tu as beaucoup d'empathie. Et ta devise, c'est qu'on euh, euh, doit toujours être loyal à sa cause et à ceux à qui on, que, que l'on sert. Ce qui est très bien. Alors, on a qui d'autre On a Eshtan. On a un enfant. On a un enfant qui vient d'arriver. C'est les, les deux enfants, je pense, de euh, Pigmentarium. Oui, c'était deux enfants. Donc, deux enfants. On a qui Vient de seber, B, personne. Se Dites-moi, les gens qui ont ce B, parce que moi je vous vois sur mon chat. <laughs> ouais, la, la, la... en fait, euh, tout à l dans ma dernière partie, j'avais un barde qui ressemblait beaucoup à un vampire, tu vois ce que je veux dire. Alors, Thibaut, Thibaut, tu seras l'enfant du Pigmentarium. Et on a un autre enfant. Je pense c'est lui là. Voilà. Euh... Non, mais. Euh... Ah, mi Mira Caru, tiens, Mira Caru. Tu es l'autre enfant. Merci pour ton sub. C'est parti, donc on revient dans notre nouvelle. Euh... Alors, normalement, ça ne se voit pas trop, mais euh... la, la nourriture a augmenté et euh, ça a augmenté. On est encore mi-été. Mi 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 et là, on va attendre que notre dortoir soit fait. Wolfie, promis, t'es le propre. Bah, tiens, Wolfie, on va te, on va te trouver. Tiens, t'inquiète, je vais te trouver un hamster. Tu vas pas être... tu vas pas être mécontent de ton sub. Ça va être le... Je vais trouver une loutre. Qui sont les animaux Ah, on va faire un truc. Bah, tiens, on va... Les animaux, on va les. Alors, je vais vous apprendre un truc. Alors, nouvelle règle. Ça, en plus, vous savez qu'il y a les zones de stockage des objets. Mais vous pouvez faire des zones de stockage d'humains. Ok qu'on appelle des zones. C'est quoi une zone de stockage d'humains ben En gros, quand il y a un endroit, tu dis c'est une taverne, tu dis c'est une taverne. Et en gros, c'est une zone taverne. Et cette zone taverne, elle permet de dire si tu as soif, en gros, tu vas là. Tu as des zones chambre à coucher. Si tu as envie de dormir, c'est là qu'il faut aller. En gros, c'est des zones qui sont faites là. Et tu as aussi une zone qui s'appelle le Pen and Pasture, c'est-à-dire cette grande zone, on va, on, va, on va, je la fais grande. Et là, tu dis ben, tous les animaux seront dedans et donc tu choisis tout de suite les animaux comme ça on va pouvoir vous allez... je sais que vous avez ce B vous n'allez pas être mécontent je vais vous donner voilà, ce, ce... si vous n'avez jamais rêvé d'être un poussin vous pourrez être un poussin voilà. et donc là voilà, quand on l'a fait normalement les, euh, les nains ils vont stocker les animaux là-dedans et les animaux ne vont pas en sortir Alors, la zone il faut mieux la mettre dehors parce que si vous avez des herbivores c'est mieux qu'ils mangent voilà On en est où là? Alors oui, on a, on a, on a, comme par hasard, on a à nouveau des plum pelmets alors qu'on n'en avait pas avant. Pourquoi? Parce qu'en fait les -Pelmets, on les a on, quand on a pris les, les on, a, on a récolté les plum pelmettes, on a retiré les graines et on en a fait des. Euh, on en a fait des. Euh, on, en a, on, on en a fait des boissons. Mais maintenant on peut les replanter. Donc en gros au début, alors évidemment on a dit tout à l'heure, les joueurs expérimentés ont dit mais attention fibre. Voilà. Donc là ça va être notre zone de dortoir. Donc en gros, je vais dans workshop, vous savez le truc où on peut placer les meubles, tout ça, dans fourniture, sans, sans, sans surprise, dans lit, et là je peux placer un lit. Je peux choisir même en quoi il est. Bon, là, j'ai que du carambole donc c'est un lit en bois de carambole Et donc là, il est... Il est un peu grisé parce qu'en fait il y a un nain qui va aller le chercher qui va, qui va le prendre. Donc, pour aller plus vite il y a des touches de raccourci donc B B pour avoir ce menu F pour Furniture et B pour bed. Et donc là je vais placer tous les livres et je vais même aller plus vite BFB B. et là je vais dire j'ai pas envie de choisir vas-y on les place. Après quand tu fais des, des très beaux euh, des très belles salles pour faire plaisir à des nobles ou euh, à des, des nains que tu aimes bien et eh ben, euh, tu pourras choisir le lit que tu as fait. Parce qu'en plus, la personne qui fait, les, euh, qui fait les objets, là, en ce moment, euh, c'est une personne qui va devenir de mieux en mieux, et de temps en temps, elle fera des chefs-d'œuvre, de, des lits absolument magnifiques. Et donc, là, une fois qu'on a fait ça, on crée une, on crée une zone, c'est un, un dortoir. Ça, en gros, la, la philosophie du dortoir, c'est. Euh, vous avez sommeil, vous pouvez dormir là, qui que vous soyez. Tandis que la, la bedroom, la, la chambre à coucher, c'est. Cette, cette pièce vous appartient et personne d'autre ira dedans. Alors. Attendez, voilà. Donc on continue, et là, et normalement, ils vont apporter les, les lits. Et donc, petit à petit, en fait, on va avoir un endroit de plus en plus vivable et les nains seront globalement plus contents. Voilà, On n'a aucun nain qui est moins content que ça, ce qui est bien. Alors. Ah, J'en ai parlé tout à l'heure, c'est totalement les Sims. Alors, on va faire aussi un truc qui est mignon, c'est par exemple tout à l'heure je, je vais chercher un objet, là je vais chercher une porte, et la porte je vais la mettre là. Comme ça il y a une petit, petite zone d'intimité, tu vois. Et même chose pour les. Euh, pour les donc là j'utilise les raccourcis, BPR. Euh, je peux totalement BPR, attends, on peut, on peut effectivement faire ça, voilà. Je peux placer euh, là j'ai placé deux portes, et là je fais BFB, et je mets un lit là et un lit là. Et en fait, ils vont avoir des chambres à coucher individuelles. Donc là, il est en train de poser. Euh... Et plus notre endroit, plus notre lieu sera beau, plus notre... Et vous remarquez, les, les portes sont de certaines couleurs parce que, toujours cette traçabilité. J'ai creusé la terre. Voilà. Donc là, j'ai une dernière porte. On va faire B, F. B pour le lit et B. Ah, il n'y a, a plus de lit. D'accord. B, P, R. Alors, ok. On a, je suis allé trop vite pour les lits. Bon, pas grave. En tout cas, on a deux nouveaux endroits pour les gens qui sont un petit peu. Euh, qui sont un petit peu. Euh, donc, on fait ça. J'accepte. Et j'en fais une deuxième. Donc, en gros, là, on a un, un dortoir qui est en train de se remplir de lits et deux, deux salles individuelles pour euh, les gens qui n'aiment pas dormir avec les autres. Quoi. Donc. Euh, Là, voilà, ils ont du mal à porter les cailloux. Je vais peut-être créer une ou deux brouettes. Alors, brouette, brouette, brouette. Ça, ça se dit comment brouette en anglais? Wheelbarrow, c'est ça. Hop, j'en fais. Autre chose, je vais en faire deux. Voilà. Et alors, ça crée plus de. Oh là là. On a des fruits aussi, trop bien. On va pouvoir faire de la liqueur de fruits, trop bien. Je sais pas ce qu'on a comme fruit, mais je suis content. Là, ça bosse. Il faut toujours regarder que si la tout doux, elle est, elle est OK, tu vois. Là, ça bosse tranquille. Là, il fait des poissons. Là, on s'en fout un peu. Bon, on va faire quelque chose de marrant, mais ça ne marche pas trop trop. On va faire, on va commencer à domestiquer des petits animaux. Oh là, attends, putain, j'ai oublié un truc hyper important. Alors, devant votre forteresse, très, très, très important, il faut faire ce qu'on appelle un trade depot. C'est un trade dep depot. C'est à dire qu'on va à euh, en fait, c'est l'endroit où on va pouvoir échanger avec les marchands. Alors, voilà, ok. Donc, ça il faut le faire assez tôt. Et je vais même nommer un. Alors là, c'est le moment ou jamais. Donc, attends, c'est là. On va, je vais faire ma première nomination. Donc, en gros, c'est des nains qui ont des occupations spéciales. Donc, en gros, moi j'ai besoin. Donc là, vous voyez, il y a Expedition Leader. Bon, c'est Dark Matman. On a besoin un commandeur de milice. Il est un peu tôt pour avoir une milice. Un shérif, c'est quand il commence à avoir. Tu sais, genre, t'as des auberges, t'as des tavernes, t'as des nains. C'est un peu la merde, tu vois. Donc, euh, c'est un peu le mec qui maintient la loi. Ça, c'est un bourreau. Il donne des gros coups de marteau sur la tête des gens. Ça, c'est un manager. C'est-à-dire qu'au lieu que je clique sur le workshop qui dit je veux des tonneaux, je dis gars, je veux des tonneaux, tu te débrouilles. C'est pas mon problème. Euh, ça c'est un docteur et il y a le bookkeeper que j'utilise pas trop et en fait je vais plutôt faire le broker donc le broker c'est un marchand qui va négocier finement les choses donc là qui on pourrait nommer mass... Alors, le mineur c'est pas une bonne idée on va peut-être nommer dark matman notre broker parce qu'il sait négocier et il sait un petit peu mentir tu vois donc on va le nommer broker et là c'est les, re... les, requi... les, 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 les requis c'est à dire par exemple euh, si tu veux un, man un manager, lui il voudra absolument avoir un bureau. Tu vois. Donc, euh, mais bon. donc là c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Dodoc. C'est qui Dodoc dans notre euh, délire là Dodoc, euh, j'arrive pas à le trouver. Bah ben alors Bon, en tout cas il y a Dodoc qui, qui, qui a tellement Fabriquer de lits, que ça y est, c'est un vrai charpentier. tu vois. Attends, merde, il faut que je descende. Voilà. Donc, par contre, j'aimerais bien que. Ça, c'est tous les déchets. c'est des cadavres de mouches. Et donc là, nos animaux sont là. Ah, on va pouvoir nommer des gens. Allez, c'est parti. Donc lui, il a un nom ou pas Il s'appelle comment Non, il n'a pas de nom. Alors, qui veut être un buffle Tiens, Blue Prog. Tu vas être un buff. Merde. Tous les gens qui ont ce B, ils ont droit à être un animal. Et crois-moi, Blue Prog, on va te traire, gars. On a qui d'autre Pizzou, je l'ai déjà. Bon, on verra bien. Je vais voir au fur, au fur et à mesure que vous parlez. Donc là, on va laisser ça. C'est bien aussi de les mettre dans le même endroit, ils ont plus de chances de se reproduire. Alors, euh, j'aimerais que ça se construise, ça. C'est possible, c'est un peu urgent. <laughs> bon, vous avez euh, un mois pour le faire. Pourquoi un dauphin mort, ça là C'est un Lungfish. Je sais pas comment on dit ça. C'est un Lungfish. Je sais pas quel est le nom exact du Lungfish. Alors, dans ma colonie, pour l'instant, il n'y a pas de travail d'enfant. Donc là, vous voyez, la nourriture a augmenté, la boisson a augmenté, alors que le nombre d'ananas a augmenté. Ça veut dire qu'on a on arrive à avoir notre équilibre. Donc ça, ça marche plutôt bien. Qui veut être une tique <laughs> La tiens, Très bien. Nitz, t'es où, Nitz Nitz, tu vas être. Que, ah non, c'est silicium, ça. Tiens, Nitz, tu vas être un chiot, ça va Ah, une lamproie. Un dipneuste. Il y a Néodar qui vient de se bailler là. Tu vois un beau dindon, ouais. Alors, il est où le dindon T'es qui Wolfie euh, Tu veux être le dindon Allez, c'est parti. <laughs> Wolfie. Tu veux qu'on parle de toi, Wolfie le dindon Ok. Wolfie, il s'appelle comment Wolfie Nea. Euh, toi, le dindon, t'as deux ans. T'es une dindonne en plus. T'es une dinde. <laughs> Et tu as... Un <laughs> Tu as un bon focus, tu sais bien te concentrer et tu as une bonne intuition. Et tu, tu gardes ta confiance même sous la pression. Tu vois ce que je veux dire Et euh, tu préfères te présenter un peu modestement. En ce moment, tu n'as pas beaucoup de pensées. Est-ce que tu as des needs Non Overview. Rien de particulier. Tu es bonne santé. Bon, il se passe quoi là Ça se construit Ah, c'est bon, ils, sont, ils, ont, ils vont le faire en, en bois de carambole. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une telle industrie du bois qu'il va falloir que je trouve d'autres troncs à couper. Voilà, très bien. Heureusement que c'est des. Alors, ça me fait de la peine, c'est des bois millénaires, tu vois. Mais, donc là, c'est bien. Et le moment venu, on demandera à notre broker d'aller là. Ok. Alors. Euh, comment il s'appelle Momuse. C'est qui Momuse Momuse. Bah. Ben, Memuse, il est où memuse Alors, Araignée en train de planter. J'arrive pas à voir. Par profession peut-être. Non Name. Je comprends pas comment ça, ça marche. C'est pas tous mes... J'en ai plus que ça, si ou pas, non Il s'appelle comment Il s'appelle Momuse. Momuse, attends, je vais, je vais aller voir qui est Momuse. Ah, il, il a disparu, Momuse. Il doit être en train de dormir. Euh, ok. Il faut pas que nos. Tiens, ils ont dû certainement faire un lit. Donc, on va, on va mettre une porte là et un lit là. Et on va. Euh... Ah merde, j'ai mis une porte là. Merde, on oublie. Elle n'est pas là. On, on va mettre BFB. On va mettre ce lit en carambole. J'espère qu'ils aiment ça. Est, il est en quoi oh, C'est un lit en quoi Il est en carambole et celui-là aussi Ouais, ok. Euh, on va créer une nouvelle zone. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est que. On va faire, que, euh, on va faire une, une zone qui sera un peu la zone où on mange, on boit, on prie et on enterre les gens. <laughs> donc. Là, on va mettre la taverne. Vraiment. Je vous respecte. Hein. Là, on va mettre le temple. Alors, pour que les zones soient actives, il faut qu'elles aient quand même une certaine taille. Là, à côté de la taverne, on va mettre le dining hall. C'est un endroit où... Oh, tu sais quoi là on, peut, on peut faire les deux en même temps. La taverne sera aussi l'endroit où on mange. Voilà, pour l'instant. Là, on va mettre une très belle librairie et à côté du temple on va mettre une nécropole et enfin là on mettra euh, on mettra des bureaux donc là il va bosser notre petit euh, notre petit mineur il a plus de rough ok pas grave tu vas en avoir bientôt bon super ça continue à faire de la je commence à avoir beaucoup de boissons ça marche bien, on a beaucoup de poissons aussi. Voilà. Tout, tout, va, tout va très très bien. On est à la fin de l'été de notre première année. Hein. Donc ça, oui, là je joue depuis euh, 2h30. Et en vrai on a fait qu'une seule année. Donc... Euh... Attends, il y a Daisuko. Daisuko, euh, Daisuko, t'as pas envie d'être un chat Si t'es un chat, Daisuko. Allez hop. Voilà, t'es un chat. Et qui Et personne. Ah, qui veut être une mule On a qui On a Wolfine. Tiens, il est trio. Allez, hop. T'as ce b. Il est trio. T'es la mule. T'as un an. Enfin, t'es plutôt un mulet. Le problème des mulets, c'est que c'est pas. J'ai aussi un, un petit un petit panneau encore. Un petit, un petit panneau. Vicious Si je suis utile, c'est bien. C'est beau ça. Belle philosophie. Ben, ouais, c'est vrai. Alors ça c'est notre zone. C'est joli quand même, hein, en vrai. Vous trouvez pas? Alors un moment. Et là ça bosse ou pareil. Super. Et là il n'y en a plus. Ok, ça va polir des pierres. Très bien. C'est pas mal, hein, en vrai. Et hey, ça dort. Qui c'est qu'il y a Dark Matman Ça y est, t'as investi une, une pièce. Alors, attendez. On va peut-être replanter encore, parce qu'on est des fous. Allez, on plante des plumps helmets. Des plumes helmets. Allez, ça plante, ça plante, ça plante. Donc là, c'est bien. On commence à, on commence à avoir... Alors, on a trouvé du Smoky quartz. C'est beau. Oh, alors, qui a, qui a investi Roshi et... Thais est plein, vous êtes bien installé, vous avez pris votre lit. Alors, il y a un truc qu'on va faire, c'est que quand les nains... Ils, euh, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est à quoi une salle, elle est belle. As des, donc, une belle salle, c'est une salle par exemple qui a un beau parquet. C'est une salle aussi dont tu as bien poli les murs. Et tu peux même graver les murs. Et en fait, dans des endroits particuliers, les temples, les, les auberges, les, euh, les endroits où tu as vraiment envie d'être valorisé un peu, on va... Graver les murs, les polir, enfin on va rendre tout beau, tu vois. Et notamment, en fait, notre. Euh, on va commencer par le temple, qui est l'endroit un peu le important. Donc il y a cette, cette commande-là qui, qui consiste à polir les murs. N'importe qui peut polir un mur, donc c'est très efficace quand tu as des nains qui, ça, qui font rien du tout. Tu peux polir les murs, comme ça ça as, as, ça devient de plus en plus beau. Il y a d'autres façons de, de grossir, de, de rendre les choses encore plus belles, par exemple en, euh, en faisant des étages encore plus élevés, quoi. C'est-à-dire, par exemple, tu creuses tout là et après tu creuses tout dessous. Et. Euh, bref. Petite musique euh, qui nous annonce la fin de l'automne, la fin de l'été. Je commence à avoir un peu trop, de, un peu trop à boire, tu vois. Donc on va se calmer. Ça tombe bien et ils se sont arrêtés. Mais euh, j'imagine qu'il n'y a, a plus de tonneaux, c'est ça voilà. On a quand même 200 drinks alors qu'on est 12. Bon, ça va aller quoi. <laughs> je pense qu'on est bon pour l'hiver. Donc là ils sont en train de polir les murs les gars. Donc pareil pour là, là on a dit que c'était la librairie. Hein. Ok. Et là c'est les catacombes. Alors je pense qu'il nous faut du bois de rocambole. Hein. On verra, on va voir. Attends, je vais aller chercher un peu de bois encore. On a combien en bois non, On a pas mal de bois, mais... E-Kings T'as E-Kings, gars. Tu sais pas, tu sais pas pourquoi t'as ce B, là. E-Kings, tu vas être un yak. Et pas n'importe quel yak, un yak de 6 ans. tu e T'es un peu malade, hein, d'accord Mais tu as beaucoup de patience. Est-ce que ce jeu vous plaît Le si on va polir... Alors on peut, on, peut, on peut polir le sol ou pas Non. Ah ouais on peut. Putain je viens de le découvrir quoi. Incroyable. Parce que je voulais mettre un parquet. Mais en vrai... Putain je découvre qu'on peut polir le sol. Incroyable. Trop bien. Putain ça va polir là. Hein. Putain je vais polir là. Ils vont avoir du boulot, les nains! <laughs> ah putain. Qu'est-ce qu'ils font là? J'ai l'impression que plus personne ne fait rien. Araignée du soir. N'arrive pas à fabriquer un poisson parce qu'il n'y a plus de poisson. Il y en a des... C'est bien non, cette petite. Il me faudrait que je trouve des araignées pour m'occuper de ces, ces mouches qu'il y a partout. C'est la fin de l'été. Plus personne qui vient ici là. Ils ont. Ils sont où maintenant J'ai l'impression qu'ils boudent là. Ils sont en train de dormir. Attends, j 100... Ah attends, j'avais 200 drinks je suis à plus qu'à 100, ils ont fait quoi Ils ont fait la teuf C'est reparti. T'as Astrobine. Astrobine, je ne sais pas qui t'es, mais sache que toute, toute l'architecture de, la, de la forteresse tient sur tes tonneaux. Ah ça y est, l'automne arrive. <coughs> Ouais, il faut bien suivre le, le, le tuto que j'ai fait hein, là-dedans. Ok. Et lui, il a bien bossé aussi. Très bien. Lui, il fait, il fait encore des choses et lui, il a arrêté. On va voir si tu peux cut gem encore un peu. Voilà. Alors, il fait quoi Il pleut. L'automne est arrivé. Alors qui dit automne Dit on plante. On plante. On plante. Toujours des plumes pelmètres. Hein. Je la joue facile. Oui j'ai d'autres graines donc euh, ça va aller. En sachant que on peut trouver aussi d'autres euh, nourritures. Alors attends, il en est où Il fait quoi Araignée du soir, elle est en train de polir le, le sol là. Incroyable. <laughs> je te respecte, hein, t'as du taf, Araignée du soir. <laughs> euh, remarque, je pourrais polir partout, quoi. C'est quoi ça Pourquoi ça traîne hein un, un hamster ça c'est le chat qui a mangé le hamster j'imagine. Alors on a qui en sub là Faute de poisson. Alors j'ai qui à Zumira. Z Zunimira. Alors Zunimira. Est-ce que ça te dirait... Attends, je clique dessus, mais j'ai du mal. Non, ça c'est Silicium. Est-ce que ça te dirait d'être un chat, Zulimira Tout le monde arrive. Ah non c'est Daisuko, mon chat. Oui, oui, pas... Euh... Il a pas son nom, à Daisuko. Marrant. Bon. Et lui, il n'a pas de nom. Ah si, c'est Taikyu. Oh là là Pourquoi ça apparaît sur ça non, Zulimira, tu vas adorer. Attends, c'est un hamster, ça ah Non, je crois que c'est déjà quelqu'un. C'est Krelonidas, le hamster. Euh, tu vas être ce poulet, ce petit poussin. D'accord, Zulimira J'espère que ça va te plaire, hein. Zulimira. Wardir, est-ce que je peux te donner ce nom de chien Non, c'est déjà Lorief. Ah attends, il y a qui se bat. Le Blue PN, PN Child, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Le PN Child. Ils se battent, il y a un qui a un PN. Qu'est-ce qui se passe ah non en fait il est, il est juste tombé contre un mur. <laughs> oh là là c'est pas très intelligent les, les, les... Ah, ah donc la caravane arrive donc ça ça veut dire que la caravane arrive il y avait aussi un, un diplomate tout ça c'est pas grave donc comme la caravane arrive je dis on appelle le broker donc là il était en train de poser une table et on va choisir ce qu'on va vendre donc on va vendre nos amulettes donc on voit que là il y a une en fait on fait venir des euh, donc, alors attends, je, je répète. Donc le trade, c'est essentiel, parce que... C'est essentiel non pas parce que ça te fait gagner de l'argent, mais c'est essentiel le trade, parce que ça te... Euh, en gros, si tu, si tu exportes des biens manufacturés de qualité, alors qu'on n'est que 12, euh, les nains, ils vont dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe tu vois Qui, qui s'occupe de cette forteresse Ça a l'air trop bien. Donc, en gros... C'est important. Donc pour avoir, donc vous savez, j'ai nommé un broker, c'est la personne qui va vendre. Mais en vrai, en vrai si j'en avais pas, je pourrais dire n'importe qui vient. Mais là, il va venir, donc ça, c'est cool. Et ensuite, euh, il faut faire venir des biens qu'on va vendre à ce dépôt. Donc je clique sur le dépôt, je fais Move Good, sachant que vous inquiétez pas. S'ils ne sont pas vendus, ils seront rangés. Et là, vous décidez de ce que vous voulez vendre. C'est pas super clair, mais en gros, on a facturé, on a facturé des amulettes. Alors, les barils, on les garde parce que c'est utile. Les lits, on les garde. Euh, on, a, on a fabriqué quoi J'ai fabriqué un, un cercueil, si j'en ai besoin. Évidemment, les cut gems, on les, on les met toutes, c'est très important. On a par exemple, on a une, quand même une, une tourmaline euh, parfaite qui vaut 1000. Oh, putain, on a des saphirs, gars On est tellement riche Après, ça négocèque hein, vous allez voir. Et alors, quand c'est pas les nains, mais quand c'est une autre civilisation, genre les humains, tout ça, ou les elfes. Tu peux même faire des cadeaux. Tu peux dire je te, donne ce, euh, je te donne cette pierre qui vaut 1000. Et en fait, il t'aime encore plus. Donc voilà. Des gobelets, non. Des splines, des stones, des tables. Des toys, non. Non, mais on est bien là. Mais portes, je les garde. Voilà. Et donc là, les nains vont commencer à décharger. Normalement, il y a, euh, on attend 36, 36 items. Alors, la diplomatie m'appelle. Donc là, il y a un lien qui est marqué diplomatie. Et donc, en gros, c'est Hiral, il vient de mon pays, il va me dire Bon, voilà, il s'est passé ça, ça, ça. La première année, il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, il va juste te dire Le, le monde n'a pas du tout changé. Mais si ça devait changer, il y a quand même un, as un journal de bord qui est l'équivalent des Legends qui te dit Qu'est-ce qui change Et là, tu peux te dire S'il te plaît, euh, est-ce que tu peux m'amener des choses l'année prochaine Sachant que si tu dis, par exemple, Je veux euh, du bois. En fait, le bois qui va t'apporter sera deux fois plus cher. Moi, en général, je ne demande rien parce que je n'ai pas de besoin absolu absolument. Voilà. Et, euh... et donc, lui, il a particulièrement besoin de, de carquois et de plantes. Donc, il achètera le double du. Voilà, c'est un petit jeu de, de trade. Alors, Alors la, la pause est mise. Donc, on va on attendre qu'il arrive. Donc, là, oui, voyez, c'est en train de mettre sur, de mon côté toutes les, toutes les gemmes. Et il y a mon broker qui est Dark Matman. Qui attend le marchand le marchand est en train de, de tout vider aussi voilà et, et on attend encore 17 items ça va venir tout seul Vous voyez que notre notre pêcheur il a quand même mis à la poubelle toutes les coquilles de moules qu'il a trouvées et c'est parti, on peut commencer à... Alors je vais tout vendre. Je vends tout. Je vends toutes mes amulettes et mes pierres. Et j'en ai pour 4900. Donc qu'est-ce que je vais demander en échange Alors des blocs, je m'en fous. Des gemmes, je m'en fous. Des stones, je m'en fous. Des chaînes... Ah oh un, un piano. Un piano. Oh, je le prends, ça va être trop bien. On va, on va mettre ça dans la taverne. Trop bien. Et une guitare. Allez, on prend. Ah, euh... oh, c'est génial, c'est. Ah, oh, une puzzle box, trop bien. Ouais, je, prends, je me ruine en instrument de musique, hein, mais c'est parce que euh, c'est cool. Une mini-forge, non, j'en veux pas. Des cages, m'en fous. Des barils, là. bon, allez, on prend tout. Euh, Qu'est-ce qu'on a Il y, y, y a du lait. Alors, ça, c'est pas mal. Des Warhammer, je prends. Ah, tiens, on va prendre un pic en plus, comme ça. On, des chaussures, je prends. Donc, vous voyez, là, il y a, ici en bas, il y a tout ce que je lui propose. Et là, il y a ce que je lui demande. Sachant que là, il y a le profit. Tant que c'est en vert, il est content. Mais il faudra toujours que je lui demande... Je, je lui donne plus que ce qu'il me demande moi. Sauf dans certaines circonstances. Mais voilà. Donc là, par exemple, ils vend un, 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 un gantelet. <laughs> à 1000, je ne le prends pas. vend des, des... Je ne sais pas c'est quoi son délire avec les, les gants, mais... Euh... Ok. Des Débox m'en fous. Ok. Des sacs, on s'en fout un peu. Là, il y a du. Des... Ça, c'est pas mal, ça, j'ai envie de prendre. Putain, ça coûte cher. Je vais prendre. Je vais, prendre, euh, je vais prendre des. Euh, un, un petit peu de de, de. de quoi faire des vêtements. Qu'est-ce qu'on a figurine figurine de jaguar, non merci. C'est moi qui ai... Ah, des large gems, je m'en fous. Du mythe, de la nourriture, j'en ai suffisamment. Des poissons, je m'en fous. Des plantes, ça m'est égal. Alors j'aimerais bien prendre des graines de l'extérieur, c'est pas mal ça. On va les prendre et on va, les... on va, faire... on va commencer à faire des cultures d'extérieur. Du fil, des pantalons, allez on prend. On a combien On a encore un peu de rab. Tain, y a un... <laughs> un sac à dos en cuir de cougar. <laughs> 1000 pièces d'or. Non, monsieur. Allez, du fromage, on prend tout en fromage. Euh, mm, le bon fromage. Ah oui, alors ça, c'est super. Ça, c'est des scrolls. Parce que je, 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 veux monter, je veux monter ma. Oh, un codex. Attends, il y, y a moins cher que ça. Un codex sera très bien. Parce que là, le, le, le savoir de l'observation qui vaut 1000, c'est un peu cher. <laughs> un parchemin en peau de chien. Super. Mais euh, on, va, on, va, on va prendre ce codex, c'est très bien. J'aimerais bien prendre le, ce scroll quand même. attends Je vais enlever les fromages. <laughs> Remarque, les fromages, c'est pas mal, ça, ça leur fait plaisir. Est-ce que je peux prendre autre chose que. Ah, ça, c'est un carquois, on s'en balance. Attends, je regarde ce que. Des leggings, ça, on s'en fout. Je, je vais essayer de prendre de nego le. Attends, je fais, je fais une proposition. T'en penses quoi de ça? Attends, j'ai pris le. T'en penses quoi Oui, oh, il, est, il est content. Très bien. Bah, nickel. Fin des, fin des négos. J'ai récupéré mes, mes, mon scroll. Oh, Torche 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 te fait des bisous. Et Torche, tu vas avoir l'insigne honneur. Maintenant, j'ai déjà. Ah, super tu, tu vas devenir le, le petit ami. Enfin, le petit. Euh, comment s'appelle Un Kevipup, c'est quoi C'est quoi un Kevipup tu viens de naître. Je crois que t'es un minuscule hamster. Tu t'appelles comment Torche. Torche. Donc tu vas être le mini hamster. Il appartient à... à... Il appartient à Araignée du Soir. C'est quoi ça Carpe J'ai une carpe Bref. Ok, on est cool. On a fait des beaux... Alors voilà. Et... Euh... Ceci euh, conclut un petit peu euh, la première partie de l'introduction. Euh, je ferai une deuxième partie de, de Dwarf Fortress. Donc là, oui, ils sont encore en train de bosser euh, tranquillement, faire une belle, une belle salle. Et euh, en gros, dans, un, dans cette première partie, normalement, si vous avez fait ce que j'ai fait, qui se bat un, un, lézard et, euh, un, un lézard et un guerrier. J'espère que ça va... Ok. Donc... Si normalement vous avez fait un peu ce que j'ai fait, à la fin de la première année, c'est-à-dire que là on a fait un an, vous avez 200 de nourriture, 200 de, de boissons, vous avez la population qui est relativement heureuse, il n'y a personne qui est malheureux en tout cas, vous avez fait un bon trade et tout se passe bien. Donc en gros... Euh... Ah je l'avais décoché, ça me fait chier, bon c'est pas grave. Et euh... oh, c'est pour plus tard. Donc dans la prochaine euh, prochaine donc en gros voilà et euh, l'idée c'est si vous jouez euh, en attendant que je fasse la deuxième partie, faut être plus de bedroom, vous essayez de faire des choses. Mais dans la prochaine partie on fera une taverne, une bibliothèque et euh, un grand temple ainsi qu'une nécropole et on commencera à creuser au plus profond de la terre pour pouvoir voir c'est quoi l'intérêt. Mais en gros quand vous êtes là, il n'y a plus qu'à attendre. Que la colonie grossisse et que les ennuis arrivent d'une certaine façon et également si vous pensez que la, le jeu est trop facile euh, vous pouvez vous installer dans un endroit euh, où il y a beaucoup d'ennemis tu vois donc c'est un peu euh, voilà, c'est un petit peu particulier mais euh, je me tourne vers vous avant de je me tourne vers vous et je vais même faire quelque chose je vais euh, je vais mettre le chat parce que en fait j'ai désactivé le chat sur cette vidéo parce que euh, j'ai besoin de attends je vais mettre la pause je vais mettre la pause quand même, parce que là, il y a qui, qui se bat. Il y a un One, One, One Badger, il y a et plein et un autre nain qui sont en train de se battre, mais pourquoi ils se battent tous là Contre Le One... One badger c'est un sale truc. Hein. Il est où Il est en train de se... Ah, tu vois Il est mort, le One Badger. Bref. Euh... Attendez, donnez-moi une seconde. Je... Attendez, je réact réactive le chat. Si j'y arrive, voilà, les overlays, parfait. Et euh, là, je, vous allez avoir beaucoup de ding-ding-ding. Et avant de, avant de continuer, avant de vous laisser, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation, de ce jeu Est-ce que vous avez passé un bon moment Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que. Voilà, il y a. Euh, oui, Amazon Cultivator Society, il est pas mal. C'est est une bonne remarque. À part qu'il est très chinois. C'est-à-dire que déjà. La cultivation, comprendre ce concept de cultivation, c'est un peu particulier. Euh, le jeu coûte une vingtaine d'euros sur Steam. En vrai, il est, comme j'ai dit en introduction, il est exposé au MoMA, c'est une œuvre d'art ce jeu. Donc euh, tout le monde dit c'est quoi l'art bah, en fait, il fait partie des 14 jeux qui sont en exposition permanente à New York. Bon, voilà. Euh, et euh, vous pouvez, euh, euh, on, on fera une deuxième partie, hein, euh, voilà. Le jeu là ouf, mais vraiment compliqué. Normalement Là, j'ai quand même fait une introduction de 2h30. Si vous ne faites pas à pas la même chose que moi, en vrai, ça se fait tout seul, tu vois. Et jamais je lance de mon côté. Ah, d'accord. Et euh, alors, non, pas forcément. Je ne ferai pas forcément de live parce que, en vrai, je fais ce live parce que ça y est, j'en ai fait le tour en quelque sorte. Euh, mais il y, y, y a un truc aussi qu'on va faire la prochaine fois qui est drôle, c'est qu'on va faire une armée de soldats. Enfin, quand je dis une armée, il y aura 5 nains, tu vois. Mais à la fois, ils vont défendre et à la fois, tu peux aussi explorer des monastères mystérieux, des choses intéressantes. Mais ben voilà, il y a 14 jeux il y, y a Portal, y a, y a, il voilà, y a Another World et il euh, y, euh, y a Dwarf Fortress. Mais Dwarf Fortress, dans sa version assis. Euh, ah, bah super, du gommier. Euh, J'ai bien aimé l'ancienne version du jeu, me tentait la nouvelle version. Oui, là, en fait, l'ancienne la, la, version était vraiment très compliquée, il fallait vraiment être dans un délire arty, tu vois. Là, il est, euh, il est chouette et surtout, il est très généreux en contenu. C'est-à-dire que, vous avez vu pour les animaux, je veux dire, quel jeu a des dindons, sérieusement, tu vois. Euh, mais là, non seulement on a des dindons. Mais on a des yaks, on a des buffles, on a des chiots, on a des, tu vois, y a des escargots, il y a un escargot là, j'aurais pu. On a vu des éléphants, il y a des girafes, il y a des hyènes, il y a des gobelins, des orques, etc. Donc, euh... Et puis, par extension, il y, euh... y a des hamsters morts vivants. tu vois Donc euh... Et euh... c'est pas ton truc, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Oui, là, effectivement, tu dois faire ton histoire et même quand tu. En fait, quand, là, avec l'intro que j'ai faite, si vous la maîtrisez bien, en fait, deux trois fois le tutoriel, en vrai, vous allez tellement maîtriser le jeu que vous allez dire, ok, so what, on fait quoi maintenant Et euh, il va falloir vous mettre en danger, ça va falloir créer votre propre position. tu vois ou, ou vous allez dire, je sais pas, j'ai envie de créer une pyramide géante au milieu, euh, voilà, du truc. Donc, euh, et, euh, et euh, voilà. Alors, il y a une, là, il y a The Firewall qui parle du fun. Le fun, c'est une expression qui est dans qui est dans les adeptes de Dwarf Fortress, le fun ça veut dire euh, quand c'est la merde. <laughs> c'est euh, le fun, c'est un dragon qui t'attaque. Donc euh, oui, les, les humains, les chats dont les humains sont la propriété exactement. C'est vraiment un truc de gens qui aiment les chats, hein, je pense. Donc euh, ah, tu comprends le jeu grâce à, à cela. Non mais le jeu, honnêtement, le jeu, je pense qu'il est à la portée de tout le monde. Je suis très content d'avoir acheté ce piano en ivoire là. Et euh, je vais le mettre dans ma forteresse, ça va être incroyable. On va faire, on va faire un café-bar là. Et puis en fait, c'est un peu une spirale aussi. Euh... Enfin, moi dans les Sims, j'ai jamais déliré en mode ⁇ Ah, je vais avoir du papier peint trop beau, tu vois. ⁇ Tandis que là, c'est tellement dur d'avoir le moindre parquet que... Exact. Uh, fun, c'est ce qui se casse la gueule. Losing is fun. Je sais pas. Après, euh, on peut. Euh... Théoriquement, en fait, dans le jeu, tu pourrais conquérir toutes les autres civilisations, je pense. Mm -hmm. Mais bon. Et euh, en fait, tu peux construire des balistes, euh, des catapultes. Il y a. Euh, euh, et tu peux même catapulter des chats. Enfin, tu peux tout faire. C'est un peu. Euh, voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Euh, merci d'avoir été nombreux sur ce live aussi, je suis content de vous avoir montré ce jeu, et euh, je suis content de vous l'avoir montré dans une... voilà, si un jour ils font une version aussi propre de NetHack je serais ravi de vous initier à NetHack, un autre monument et euh, on fera une deuxième partie euh, un, de tuto pour ça, dans lequel on parlera euh, un peu des éléments avancés et une fois qu'on aura fait, je pense le truc le plus dur du jeu qui est euh, la gestion de l'armée euh, tout le reste euh, ça va être vraiment... Euh, ça va être du, euh, du cosmétique quoi. Voilà. Donc euh, non, mais par exemple, tu peux, il euh, y a un truc que tu peux faire. Euh, Bacchélite, Bakelite bande captée des rapporteurs de c'est possible non. Tu peux par exemple, euh, parce que quand tu as, as un cadavre qui pourrit, il, il dégage des miasmes. Donc tu peux imaginer catapulter un un, un cadavre couvert de miasme sur, le, 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 sur, le, sur, le, sur les ennemis. Si vous voulez savoir un petit peu le type d'histoire qu'on vit avec Dwarf Fortress, il y, a dans, euh, il y a sur Internet, vous tapez Dwarf Fortress Stories, et en fait, vous allez tomber sur plein de sites de blogs qui, de gens qui vous racontent les histoires qu'ils ont vécues, les constructions folles qu'ils ont faites. Euh, euh, il y a des gens qui, euh, je ne sais pas, euh, qui... Euh, qui ont fait. Parce qu'il y a aussi une partie un peu compliquée que je ne maîtrise pas très bien, qui est tout ce qui est mécanisme. C'est-à-dire, tu peux créer des pompes qui, qui drainent de l'eau. Euh, tu, tu peux créer des, euh, des, des pièges, des cages qui enferment, des, des scies qui coupent en deux. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de choses comme ça. Mais, euh, oui, Boat Murdered, par exemple, très bien. et, euh, et Pourquoi le jeu est au ralenti Parce que le jeu, j'ai mis, mis. En fait, quand tu n'es pas concentré sur le jeu, Vaut mieux euh, le mettre en pause. Là je l'ai mis en pause, tu vois. Je l'ai mis en pause parce que je n'avais pas envie que... <laughs> tu vois, je ne sais pas ce qui se passe avec le Honey Badger. Euh, gna gna gna. Voilà. Euh, ah merde Le Honey Badger les a... En fait le Honey Badger est venu attaquer le dépôt, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est terminé. Euh, là, il y a quoi là C'est un, un déchet. Donc voilà. Euh, merci à vous. Et euh, on se voit. On se voit demain pour un stream et puis euh, peut-être ce sera la deuxième partie de ce jeu, peut-être ce soir aussi, je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un talk du dimanche soir, on verra bien. Allez, plein de bisous, salut.